Bonjour tout le monde et merci beaucoup. Merci pour une énième fois. Nous avons l'honneur de recevoir donc le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, M. Mahamat Bachir, que vous connaissez très bien. C'est un homme politique qu'on apprécie beaucoup parce qu'il accepte de parler aux médias. Et ça, c'est... C'est ce qu'on aime. On aime les hommes politiques qui acceptent de parler aux médias. Et surtout dans le contexte tchadien, c'est très apprécié. Donc, une fois de plus, M. Ahmad Mahamat Bachir, donc le ministre, je disais, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, est en ligne avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Oui, nous sommes très ravis encore de vous recevoir aujourd'hui et comme je l'ai dit, c'est très apprécié. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, sauf que en présentant mon ministère, vous avez occulté le volet mine. Oui, exactement. Ça, c'était un oubli très important. Il s'occupe aussi du mine. Donc, il n'est plus le ministre de la Sécurité comme avant. Il s'occupe du mine, du développement industriel, commercial, de la promotion du secteur privé. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de l'usine de production de maïs qui a été inaugurée le 3 mai 2019 à Farcha. C'était dans le premier arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. C'est une société chinoise qui s'appelle CPL qui a instauré cette usine au Tchad, donc une première au Tchad, à N'Djamena. Vous, en tant que ministre qui... Ça, c'est votre domaine. Expliquez-nous un peu les démarches entreprises par le gouvernement tchadien auprès de la société chinoise pour que cette usine soit installée à N'Djamena. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour avoir tendu votre micro et recueillir des informations qui peuvent être éclairées. Et disons à vos auditeurs. Je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas une société chinoise, mais c'est plutôt une société chinoise en partenariat avec un opérateur économique italien. Okay. Donc, ce n'est pas une société chinoise à 100%, il y a au milieu un partenaire italien qui est dans les actions avec eux. Donc, partenaires, bien entendu, dans le cadre des investissements étrangers que le gouvernement sollicite, hein, et dans tous les domaines, je crois que ces Chinois avec les Tchadiens ont fait une étude préliminaire de marché. Et on a tiré la conclusion que le marché est porteur. Et donc, ils ont engagé. À travers le département que j'ai l'honneur de diriger. Oui. Et c'est comme ça que, après avoir, sollicité l'installation d'une transformation de maïs en farine et après avoir rempli les critères administratifs ont obtenu disons notre agrément et voilà qu'ils sont installés. Et je tiens à rappeler que nous sommes un pays qui nécessite autant d'investissements. À ce que je sache, dans le cadre du programme national de développement, le gouvernement a eu à présenter à Paris l'ensemble de ses projets d'investissement et qui a quand même eu l'adhésion de nos partenaires techniques et financiers. J'ai dit bien notre vie est vierge, non seulement
dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures, des mines, de l'énergie et que sais-je. Donc tous ces secteurs sont bien riches. Et ce partenaire chinois avec son partenaire tchadien ont trouvé ce créneau. Et voilà, ils sont admis avec Bouillot sur notre territoire national. Non, 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 c'est dire individu, c'est un peu plus grossier. Disons un investisseur italien. Un investisseur, donc c'est une personne. Oui. D'accord. Est-ce qu'il est connu dans le milieu tchadien, cet investisseur tchadien? Quel est son nom? Pas forcément. Pas forcément, même s'il n'est pas connu, il se fera connaître à travers son investissement. Oui. Parfait. Et selon le président, directeur général de la CPL, le Tchad est le deuxième pays en Afrique à bénéficier d'une usine de transformation. Ne se pose pas en ces termes. Le partenaire chinois explore sur l'ensemble du continent africain, constate les différents domaines rentables et il s'engage. Donc, je pense que dans leur investissement, nous sommes le deuxième pays africain à bénéficier de cet investissement. C'est pourquoi lors de son discours, il a cité le Tchad comme deuxième pays et le choix des investissements de ces partenaires-là. Oui. Cela veut dire qu'ils sont à la recherche des marchés potentiels et là où ils trouvent, disons, leur intérêt, eh bien, ils font des démarches pour s'installer. Et comme vous le savez, les Chinois, ils sont très pragmatiques. Oui. Et ils sont dans le cadre de l'esprit ou de la philosophie gagnant-gagnant. Oui. Oui. Donc, oui, mais en tant que ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé aussi et de mines, quels sont les plans pour lutter contre l'inflation des prix sur les marchés? Parce qu'il faut se le dire, ces sacs de farine vont être sur le marché et on connaît le problème qui est dans le milieu tchadien avec la vie chère. Les commerçants ne respectent pas nécessairement les règles ou bien les lois. Il y a certains commerçants qui augmentent des prix et ça, vous êtes conscient, tout le monde le sait. Comment faire pour lutter contre l'inflation des prix sur le marché? Ben, écoutez, d'abord, il y a ce qu'on appelle la loi du marché. C'est-à-dire la demande et l'offre. Oui. Si la demande est plus, certainement les prix ou certainement le marché investira la hausse des prix. Si la demande est forte, si la demande plutôt est en baisse, eh bien, la loi du marché régule les prix. Mais disons, votre question, elle est aussi pertinente dans la mesure où dans chaque société, il y a des commerçants véreux. Oui. Donc, ces commerçants véreux, nous avons déjà, depuis un laps de temps, en étroite collaboration avec la Chambre de commerce, les associations de défense des droits des consommateurs, les ministères que j'ai l'honneur de diriger, nous avons, disons, engagé une démarche et nous avons, disons, conjugué nos efforts pour un projet qui s'appelle Juste Prix. Oui. Donc,
Mais une discipline consiste à un peu contrôler et maîtriser, mettre hors d'état de nuire les commerçants de rue. Et donc, l'association de défense des consommateurs, la chambre de commerce du ministère, nous mutualisons actuellement nos efforts pour que le marché ou les prix au marché soient justes. D'accord, mais Et donc, si ces commerçants arrivent à ne pas nécessairement respecter ces lois du marché-là, est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que vous arrivez à punir les gens, à leur donner même des sanctions, soit qui payent ou faire la prison? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez sanctionné des commerçants qui n'ont pas respecté cette règle? ne parlons pas, on ne vante pas la roue. Ne parlons pas tout de suite de sanctions, de prison, de ceci, cela. Vous savez que nous avons au ministère une direction qui s'appelle le ministère, enfin, direction de contrôle économique. Dans cette direction, nous avons des contrôleurs assermentés. Nous avons aussi dans cette direction une brigade contrôle économique. Nous arrêtons les prix par un acte. Vous m'écoutez? Oui, très bien. On arrête les prix des denrées alimentaires de première nécessité par un acte. Cet acte sera pris parce que quelque part, comme je disais tantôt, nous avons mutualisé nos efforts avec la Chambre de commerce et les opérateurs économiques pour voir exactement les prix justes. Sur leur proposition, nous prenons un arrêté pour dire voilà, le sac de mille coûte tel, dans tel marché, dans telle ville, dans telle province. Et c'est en fonction de ça que la brigade contrôle économique, la direction du contrôle économique, les inspecteurs ou les contrôleurs économiques prendront les dispositions nécessaires pour vérifier de manière permanente les prix sur le marché, tant à l'intérieur du pays que dans la capitale. Et comme vous le savez, les commerçants véreux, eh bien, ceux qui tenteront de passer outre, eh bien, ils tomberont sous le coup de la loi et comme tels, ils seront traités. Oui, parfait. Et est-ce que vous avez l'idée du prix? On parle de 25 kilos, de 10 kilos, de 5 kilos à ces farines-là. À combien ça coûte en réalité? Vous savez que cette industrie a eu la bonne idée d'empaqueter la farine en sachet d'un kilo, en sachet de 5 kilos, en sachet de 10 kilos, en sachet de 25 kilos et plus tard en sachet de 50 kilos. Donc, toutes les bourses trouvent leur compte. Vous voulez 1 kilo de farine de maïs, eh bien, vous passez chez le boutiquier à côté et il ne coûte pas plus de 350 000 francs CFA. 1 kilo coûte 350. Oui. Sorti de l'usine, 350. Et puis maintenant, les détaillants, ils mettent un peu leur marge bénéficiaire et puis bon, à tout casser, vous n'aurez pas le kilo de maïs bien fait, bien empaqueté à plus de 350 francs CFA. Et ça, c'est abordable et j'imagine que les Tchadiens peuvent. Ils produisent déjà maintenant. Est-ce qu'il y a un plan? J'imagine qu'il y a un plan pour couvrir tout le Tchad entier. Est-ce qu'il y a un plan qui a été mis sur place pour que ces farines-là soient distribuées partout dans le Bien Tchad? sûr, il appartient à la société d'explorer toutes les pistes en mettant en place
une chaîne de distribution efficace. Et donc, s'ils gagnent à leur affaire, eh bien, ils vont couvrir l'ensemble du pays. Parfait. Et cette usine a coûté, selon les informations qu'on a reçues, c'est minimum 3 milliards de francs CFA. Ouais. Donc, vous avez dit qu'il y a un partenaire avec un Tchadien et puis la société chinoise. Donc, les 3 milliards, c'est entre la société chinoise et l'entrepreneur tchadien. C'est eux qui, c'est les deux qui ont mis les 3 milliards ou bien l'État tchadien a aussi investi pour... Non. L'État a facilité la mise en place de cette industrie sans contrepartie. OK. Nous avons dans le cadre du climat des affaires pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette usine s'installe. Maintenant, je disais au départ que c'est des associés tchadiens et chinois. Eh bien, leur statut, leur règlement intérieur définiront un peu la part de chacun. Mais nous savons pertinemment que le total des investissements faits par rapport à cette usine monte à 3 milliards de francs CFA. Parfait. Mais c'est très apprécié. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle que, pour le Tchad. On va suivre ça de près. On va espérer que... Vous savez, cette unité d'industrie-là, crée de l'emploi, produit, disons, de la farine de maïs de bonne qualité, de haute qualité, je dirais. Oui. Et partant de là, nous pensons mettre fin au système classique du moulin. Oui, le grand moulin qui était dans les années de l'indépendance, là, qui n'existe plus depuis 1979. Je ne parle pas de grand moulin. Je parle de petit moulin de quartier. Ah oui, je vois. Je comprends. Oui. On a même des choses avec dans les coraux et tout, là, pour... je comprends. Exactement. Oui. Et donc... avec cette unité, on peut mettre à l'abri et mettre le produit dans de bonnes conditions d'hygiène. Mm-hmm. Et ça participe aussi à la santé de la population. Exactement, parce que c'est moulin du quartier, là, je me rappelle aussi. Fait la boule, des fois, on trouve les grains de sable. C'est pas vraiment propre. Ouais, ça, je me rappelle très bien. Les grains de sable, disons parfois, la sueur de l'ouvrier qui travaille dans le moulin. Exactement. Tombe aussi dans la farine. Oui. Vous pouvez aussi constater que ce petit moulin de quartier travaille avec le galois. Oui, tout ça. Les taches de galois peuvent tomber aussi dans les farines. L'huile, tout ça, oui. Oui, tout ça, voilà. C'est-à-dire que les conditions d'hygiène ne sont pas vraiment indiquées par rapport à nos petits moulins. C'est quand même un progrès, même si ça a tardé pour arriver, mais l'usine est là, donc c'est très apprécié. Moi, je trouve que c'est une grosse bonne nouvelle pour le foyer tchadien. Vous savez, lors de l'inauguration, le président de la République, chef de l'État, l'a si bien révélé, pour dire, voilà, c'est une question de d'idée. Sinon, cette industrie a coûté 3 milliards, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Exactement, oui. Mais malheureusement, les idées ne sont pas au rendez-vous. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment une bonne leçon pour nos opérateurs économiques et bien entendu même pour les opérateurs économiques étrangers que le Tchad est vraiment vierge dans ce domaine. Et pourtant, les projets sont là, les besoins sont là. Non, mais nous, appartient, nous, secteur privé, de se mettre au travail. Absolument, il faut se mettre au travail et fait tout ça. Ça part de l'intelligence. Il faut que les idées travaillent, il faut que la tête travaille.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que le développement, ça se passe d'abord dans la tête. Donc, Oui. oui, si les gens mettent les idées ensemble, oui, on peut faire développer le tiers de là à très rapidement. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour que les gens puissent à proposer des choses? Je parle du cas de. J'ai pu interviewer un Tchadien, un jeune entrepreneur tchadien aussi, très ambitieux. Il est à Mondo, il s'appelle Ouais. Mia Ingram. Et lui, il s'occupe de Oui. l'anacardier, là. Il veut aussi faire que les choses fonctionnent. Il voulait aussi créer une usine. Il a aussi reçu, je ne sais pas, 20 milliards ou bien promesse de 20 milliards. Mais il m'a dit qu'il était Ouais. aussi combattu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut, monsieur le ministre, il faut que vous voyez aussi ce climat-là. Il y a des gens qui Non. combattent, des gens qui ont des Écoutez, idées aussi. écoutez-moi. Les gens qui parlent comme ça, c'est des vendeurs d'illusions. C'est des vendeurs d'illusions. Pourquoi? C'est bien facile de parler de cette manière que j'ai vraiment une promesse de sous, que vraiment je suis invité à gauche, à droite. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'assainir de manière permanente le climat des affaires. Donc, que tout investisseur soit le bienvenu. Sur le plan administratif, sur le plan législatif, toutes les dispositions sont prises pour que le climat d'affaires soit sain. Et donc, qu'il soit le bienvenu, dites-lui. S'il est embêté, il est embêté par qui vient me voir. Je vais lui demander de passer vous voir parce qu'il m'a beaucoup parlé. Oui. On a interviewé. Je vais lui demander de passer Oui. vous voir parce que ce jeune gars, c'est un jeune à encourager. Il a des Ouais. ambitions pour faire aussi développer le pays, donc donner le marché, créer des emplois. Peut-être que vous le connaissez, mais il est dans l'anacardier là. Je vais lui demander de vous appeler. Non, attendez d'abord, vous parlez de deux choses là. Vous parlez de la carrière, vous parlez de donner le marché. Donner le marché, c'est une chose, et faire des investissements dans le cadre des PPP, c'est une autre chose aussi. Tout à l'heure, vous venez de me dire qu'il a de l'argent, Non, mais malheureusement. il a reçu une promesse des Israéliens qui sont venus sur le terrain voir le champ de l'anacardier. Ils veulent créer l'usine à Moundou. Donc 20 milliards pour créer l'usine à Moundou. Et il m'a dit que on lui a forcé pour que l'usine soit plutôt au nord, mais pas à Moundou. Et ils sont en train de discuter de ces choses-là. Donc. Je m'inscris en fou. L'anacardier pousse où? Au sud. L'anacardier pousse aussi forcément. Pour celui qui veut implanter une usine dans ce domaine, il ne fera que l'implanter au sud. Qu'est-ce que cette histoire de nord-sud là? C'est-à-dire que ça, on va voir les gens pour un festival de confusion que moi je ne peux pas du tout comprendre. Non, mais j'ai dit ce qu'il m'a dit, hein, c'est mot par mot Ah, ce qu'il mais m'a c'est vrai, dit. mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ce n'est même pas logique. On ne peut pas comprendre tout ça. Mais C'est pas possible, les gens vont dire. parlant de Moïse, de maïs, la région qui cultive beaucoup le maïs, c'est où? Est-ce que c'est au sud, c'est au centre, c'est au nord? Un peu partout le maïs pousse. D'accord. Donc le centre, Un peu c'est. Donc partout, N'Djamena, le maïs c'est. pousse. Le centre de N'Djamena. Ok, d'accord, ça c'est compréhensible. Vous êtes en train de parler comme si on peut dire, ou bien on peut penser et dire que voilà, on fait une usine de coton à Béché ou je ne sais pas, au nord ou à Faye-la-Jo. Oui, ça serait illogique, ça serait illogique. Ben voilà. Oui. Est-ce que tu peux penser un jour qu'on peut installer une usine de coton à Faye-la-Jo ou à Béché? Je pense que c'est non. C'est pas logique. Je peux à la limite accepter qu'une usine de coton peut s'installer au Salamat, au Guéra, vers Meshou. Et voilà, tout au plus. Mais pas bêcher, moi, encore pas à la jour. Donc, ce monsieur qui parle de l'anacardier ne pousse qu'au sud. Et une industrie dans ce domaine ne peut pousser qu'au sud.
Voilà, donc le fait déjà, quand il forme comme ça, déjà vous pouvez constater que, ou bien peut-être vous l'avez mal compris, quelqu'un qui parle comme ça, il dit, écoutez, vous mentez comme vous l'expliquez. Ouais, mais comme je l'ai dit, bon, je vais lui demander de vous contacter. Vous êtes très ouvert à cela, ça c'est très apprécié. Et on aime les jeunes entrepreneurs qui créent des emplois. Donc ça c'est un monsieur que moi j'aimerais personnellement qu'il rentre en contact avec vous. Oui, je vais lui demander de passer vous voir. Dites-lui de venir voir Ahmed Bachir. Parfait. Je et je répondrai à ses interrogations et j'espère bien, disons, régler son problème si jamais il a des problèmes pour ça. très apprécié. Merci. Je vais lui passer le message. Mais l'usine qui a été l'usine de fabrication de transformation de maïs en farine à Farsha, donc est-ce que ça crée beaucoup d'emplois? J'ai vu que seulement c'est 80 personnes. Mais c'est un début. C'est un début puisque le PDG a promis faire une illustration. Il veut aussi investir dans le domaine de transformation de blé Oui, ça c'est très bien. en farine. Il veut aussi, disons, s'engager dans le domaine de manioc. OK. Il a une stratégie bien nourrie pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. Wow, ça c'est très bien, c'est une très bonne idée, surtout, ouais, surtout ça. Ok, merci beaucoup, monsieur le ministre. Oui, allez-y. Vous savez que le maïs, il se cultive au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Ça c'est bien vrai, le maïs, Et ouais, le maïs, on peut le cultiver aussi au nord. vous prenez par exemple le Tchad. Le Tchad, dans le Tchad, nous avons même, disons, des superficies importantes qui sont favorables à la culture de maïs. Oui. Donc, mon frère, je vous dis une chose. Que notre pays a besoin d'investisseurs, Tout à tant fait. bien nationaux qu'étrangers. Oui. Et je vous dis que le cadre est vierge. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, le cadre a une superficie de 1 284 000 km². La moitié de cette superficie est favorable à l'agriculture. La moitié de cette superficie est, disons, une terre arable. Mais vous savez aujourd'hui, sur la moitié de cette partie favorable à l'agriculture, là, il n'y a que 8% qui est exploité. Ce que vous voyez là, ce que C'est très peu. Mon parent, ce que mon parent cultive comme mil, ce que ton parent cultive comme manioc ou maïs, c'est L'arachide. seulement 8%. Arachide, sésame, anacarde, karité, vous voyez? 8% seulement de cette terre arable-là est exploitée. Donc, rien qu'avec l'agriculture, nous avons de l'eau, nous avons des terres fertiles. Rien que l'agriculture peut tirer le capital vers le haut. Absolument, ça je suis tout à fait d'accord. Sans compter l'élevage. Nous avons aujourd'hui 100 quelques millions de têtes entre les chameaux, entre les bœufs, entre les chèvres, les moutons, et que sais-je. Nous avons plus de 100 millions de têtes. Et tenez-vous bien, on n'a même pas, disons, un abattoir moderne. Oui, mais l'abattoir de Farcha, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Est-ce que ça fonctionne encore Oui, bien? il est en pleine rénovation, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, pas du tout.
Et vous savez que nous avons aujourd'hui un marché potentiel. On peut couvrir l'Afrique centrale, on peut satisfaire le Nigeria, on peut même envoyer nos viandes au-delà de l'Afrique vers le Moyen-Orient. À cela s'ajoutent les dérivés de cette viande, la peau par exemple, les sabots par exemple, oui, les poils par exemple, et puis c'est. Oui, toute une transformation à faire. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous êtes dans le gouvernement. Pourquoi ces choses-là ne décollent pas, monsieur le ministre? Si vous posez toutes ces possibilités sont là. C'est parce qu'il manque des investisseurs. Donc, est-ce qu'il y a un climat qui n'est pas favorable aux investisseurs au Tchad? Parce qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'électricité. Les investisseurs, ils regardent, ce sont des choses de base. Vous avez raison. Par exemple, nous manquons que les gens aient de l'énergie. C'est un domaine qui nécessite aussi des investissements, l'énergie. Et pourtant, l'énergie pousse sous toute sa forme. Nous, on se contente simplement aujourd'hui avec l'énergie de gasoil et autres. Là. Ah, ça, c'est vraiment... Mais c'est alors que nous avons un soleil gratuit. Exactement, oui. Nous avons aussi du vent gratuit. Le vent et le soleil, oui. Ça, c'est une source intarissable pour le Tchad. Voilà. Donc, il faut des investisseurs. Donc, le problème, c'est le climat. Ce climat n'est pas favorable, donc, monsieur le ministre. Le climat d'affaires est atteint. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi les gens ne viennent pas? Alors, posons-nous bien la question. Et donc, nous aussi, en tant que Tchadiens, on doit mettre de l'eau un peu dans notre parce que nous, au lieu de nous concentrer pour lutter contre la pauvreté, contre l'ignorance, contre tous les maux qui minent notre pays, mais malheureusement on est devenu champion de querelles intestines. C'est ça notre problème. Oui, mais ça, il y a une solution à tout, hein, moi, monsieur le ministre. Moi, je sais qu'il y a une solution à tout. Il y a une façon de régler cela. S'il y a des querelles, c'est qu'il y a, le problème est quelque part. Aller à la racine et puis enlever cela. Les gens ont le temps de se quereller parce qu'ils ne travaillent pas. Les gens ne font rien. Quand tu ne fais rien, tu tournes le pouce. Ça te pousse à faire de n'importe quoi. Et beaucoup de jeunes. Non, mais personne n'est né avec. Écoutez, personne n'est né avec le travail. Vous, par exemple, de la diaspora, vous êtes parti très loin pour chercher du travail. Oui. Alors qu'on peut travailler au Tchad. Mais c'est parce que ces opportunités-là, si ça, les gens ne trouvent pas les côtés comme ça, que les gens peut-être quittent. Moi, monsieur le ministre, parler avec le gouvernement, créer un climat de travail au Tchad, les gens vont venir. Il y a la terre. Il y a la terre qui nous attend. Il y a l'élevage qui nous attend. Oui, ça c'est vrai. C'est l'initiative qui monte. Nous cherchons toujours les raccourcis. Et avec les raccourcis, on ne peut pas élever. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut creuser la tête. Avoir des initiatives. Il faut persévérer. On veut investir. Moi qui vous parle là, monsieur le ministre, j'ai acheté un terrain à Doba avec mon propre argent. J'ai quitté pour venir, j'ai tous les papiers. Mon terrain a été confisqué par quelqu'un d'autre. Je suis allé en 2015. Le monsieur a construit sur mon terrain. Je dis, pourquoi? Oui. Avec les cadavres. Oui, mais j'amène ça à justice. Les gens sont corrompus. J'ai même pris des parents proches qui travaillent au cadastre. Je les ai confiés cela. Ils ont été corrompus. Jusqu'à là, je n'ai pas mon terrain. Je peux vous envoyer mes documents, monsieur le ministre, parce que mon terrain est confisqué à Boulou. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est trop dire que les gens sont corrompus, et c'est facile aussi de dire que les gens sont corrompus. Mais je dis bien qu'il faut persévérer. Tant que je suis dans mes droits, je reste dans mes droits et je meurs dans mes droits. Je ne peux pas prendre le raccourci pour dire que c'est des corrompus. Mais mon cousin, là, en question. Mon cousin, la personne de la famille qui travaille au cadastre à Doba, là, c'est quelqu'un de la famille.
Je lui ai confié cela. J'ai dit, bon, mon terrain a été confisqué, j'ai tous les papiers. Et le Il gars, a vendu? ben, je n'ai pas la confirmation, mais le gars, il ne répond plus à mon appel et il disparaît. Il disparaît. Et vous avez aussi, entre nous, la confiance est un capital quand même important. Si vous confiez votre affaire à un cousin, ou bien vous lui envoyez de l'argent à partir de la diaspora, et il se permet facilement de détourner ça et de dilapider ça, c'est une question de confiance qui s'impose maintenant ici. Exactement. Voilà. Mais c'est une Donc, parenthèse, c'est une chaque parenthèse, oui. mot, Oui. ouais, Allez-y. mais je dis bien, donc, dans chaque chose, il faut savoir par où tenir la question, poser la question, l'équation comme telle, et chercher à résoudre l'équation. Absolument. Quelqu'un ne peut pas, nous sommes quand même un état de droit, on ne peut pas quand même dire que voilà, mon terrain a été occupé ou arraché par force pour celui-ci là. Et vous savez, dans toutes les sociétés, il y a des faussaires, il y a des gens qui font des vrais faux papiers. Exactement. Et le problème qu'on suit là, ce n'est pas seulement votre cas, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de fonciers qui demeurent à la justice. Alors, si quelqu'un ne persévère pas et qui se rend facilement aux zombies, eh bien, il se déplace et il verra son bien partir. Donc, il faut persévérer. Il y a les textes en vigueur qui sont là. OK. Il y a les lois qui sont là. Mais on va relancer cela et votre ouverture d'esprit, j'apprécie beaucoup. Et les gens qui veulent investir au Tchad, si les gens me contactent, moi je vais leur demander d'aller vers vous. Je profite de votre micro pour lancer une invitation à tous les investisseurs et à mes frères qui sont à l'extérieur de chercher des investisseurs puisque vous êtes dans leur milieu. Ah, il faut les chercher. Il faut les chercher et les envoyer au pays. Ça va être fait. C'est entendu. Le message est entendu. On va travailler et ce qu'on vous demande, c'est de faire en sorte que le climat soit favorable à les choses de base, là, comme on a dit, l'énergie, l'Internet. Ça, ce sont des choses que les gens nous demandent. Quand je vais là-bas, est-ce que j'ai accès à Internet? Est-ce que j'ai accès à l'électricité? Ces deux choses sont fondamentales dans une. Vous savez, la fibre optique est déjà arrivée à N'Djamena, OK. à partir du Cameroun jusqu'à N'Djamena et à partir du Soudan jusqu'à N'Djamena. En ce moment où je vous parle, les techniciens sont à pied d'œuvre pour, disons, le rendre fonctionnel. Donc l'Internet sera Mais fonctionnel dans bientôt. dans bientôt. Ça, c'est une très bonne nouvelle. OK. Mais ça fait. Oui, bientôt, moi, dans les tout proches mois à venir, là, Parfait. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre temps. C'est très apprécié. Comme je l'ai dit au début, on apprécie beaucoup les hommes politiques, surtout au Tchad, qui acceptent de parler aux médias. Ça, c'est une ouverture d'esprit qu'on apprécie beaucoup et Mais vous en surtout, faites en fait, partie. normal, nous sommes des gens publics. Si on ne s'exprime pas, comment on peut convaincre l'autre qui suit de loin? Exactement. Voilà, donc nous restons ouverts. Aucun sujet tabou ne peut être, disons, il n'y a aucun sujet tabou. Parfait. Et qu'est-ce que vous avez comme dernier mot à dire aux Tchadiens qui nous écoutent et les gens viennent de finir le Ramadan. J'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens ont beaucoup souffert. Le soleil et même la cherté de la vie, ça a accablé beaucoup de gens. Profitez encore de cette antenne-là pour dire qu'est-ce que vous avez à dire aux Tchadiens qui vous écoutent en ce moment, qui n'ont pas à manger 3 fois par jour. Bon, écoutez, vous parlez de chaleur, moi je veux ajouter ignorance, je veux ajouter pauvreté. Tout ça, c'est des facteurs qui ne favorisent pas le climat au Tchad. Et donc, on doit travailler. Et d'ailleurs, notre devise, une vie, unité, c'est très important, travail. Progrès. Si nous sommes unis et que nous travaillons, nous allons progresser. Absolument, absolument. Donc, je dis bien,
qu'au Tchad, on n'a pas encore le temps à perdre. On doit tirer notre pays vers le haut. Et pour tirer notre pays vers le haut, il ne suffit pas de faire des discours. Il faut être sur le terrain, être, comment on appelle, dans la loi. Et ensemble, nous allons porter notre pays. Ça suffit comme ça. Oui. Ça suffit comme ça, et pour porter notre pays, il faut travailler. C'est avec le travail que nous allons porter très haut notre pays. Et donc, je reste optimiste quant à l'avenir de notre pays. Bon, aussi, je reste très optimiste et merci beaucoup. Bon vent et bonne continuité à vous. Allez. Et, merci, merci beaucoup. À très bientôt, monsieur le ministre. Merci, salut, merci. Au revoir. Oui, donc c'était le ministre Ahmad Mahamat Bachir. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres sujets, surtout les gens qui veulent investir au Tchad et qu'ils ont des problèmes. Oui, il ne faut pas s'accélérer. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui veulent investir, mais il y a des blocages. Et comme je l'ai dit, pour investir dans un pays, tu regardes minimum deux choses. Minimum. L'électricité, l'Internet. Donc, il faut que tu aies de l'énergie et que tu aies accès à l'Internet. Pour le moment, ces deux choses ne sont pas à la portée des Tchadiens. Donc, restons connectés. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci encore tout le monde. Donc, c'était Maître... c'était plutôt le ministre Bachir. On a une recommandation à faire au gouvernement tchadien. Et je suis en lien avec notre coordonnatrice, Rennes, qui a une recommandation à faire au gouvernement. Mais j'aimerais faire une petite précision aussi, que nos recommandations qu'on donne là, oui, il y a des feedbacks, il y a des résultats. Le gouvernement prend le temps de prendre des bonnes choses qu'on propose. Et ça nous encourage à faire des recommandations. Et ça, c'est une exclusivité de notre organisation. Je n'ai pas entendu un seul média sur cette terre qui dénonce des choses et propose des choses. Je n'ai jamais entendu parler. S'il y en a, vous m'écoutez, faites-moi savoir. Je serais curieux de savoir. On est le seul média, pour le moment, si je peux me permettre, sur la terre, qui critique. On ne critique pas seulement, on propose des solutions. On ne propose pas seulement, on fait aussi des recommandations. C'est là notre distinction. Et encore aujourd'hui, on a la chance, l'honneur de recevoir notre coordinatrice qui a accepté aussi de donner quelques recommandations au gouvernement tchadien. Bonjour Rennes, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends très bien. Bonjour, Migo. Oui. Alors, merci beaucoup de ton temps. Tu as quelques recommandations à faire au gouvernement tchadien? Absolument. L'équipe Ras-le-Bol des citoyens a quatre recommandations à faire au gouvernement. Mais avant cela, j'aimerais te dire bonne fête de père. Bonne fête de père à tous les papas qui nous écoutent en ce moment. Sachez que vous êtes des héros et vous êtes des exemples pour vos enfants. Oui, je vais juste vérifier qu'on a le son. Deux secondes, je vais juste vérifier qu'on a le son. Je ne sais pas, est-ce que vous... Quelqu'un m'entend maintenant? Apparemment, il n'y a pas de son. Je vais m'assurer que le son est là. Oui. Donc, apparemment, ça marche. Donc, je m'excuse aux auditeurs. Tout à l'heure, quand j'avais commencé, il n'y avait pas de son. Et je disais que nous sommes, si je ne me trompe pas, nous sommes le seul média sur la Terre, si je peux me permettre comme ça, qui dénonce
Mais on ne s'arrête pas aux dénonciations. On fait des propositions, on propose des solutions et on fait des recommandations. Vous êtes nombreux à nous écouter. Si vous savez qu'il y a un média sur cette terre qui fait ce qu'on fait en ce moment, qui dénonce, il propose des solutions, il fait des recommandations, on est curieux de le savoir parce que pour le moment, on est le seul à le faire. Et nos recommandations qu'on donne, le gouvernement tchadien fouille dedans et il commence à prendre nos idées pour les mettre en pratique. Et c'est très encourageant. Ça nous encourage à continuer à faire des recommandations. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, une fois de plus, notre coordonnatrice est ici pour une recommandation encore pour le gouvernement tchadien. Bonjour, Irène. Oui, bonjour, Amigo. Bonjour à tous les auditeurs. Tu as quelques recommandations à faire aujourd'hui, une fois de plus? Oui, l'équipe Ras le bol citoyen, comme d'habitude, hein, lorsque nous recevons un membre du gouvernement et que nous traitons un thème qui touche directement la vie de la population tchadienne, nous prenons quand même le temps de leur proposer quelques lignes de recommandation. Alors, aujourd'hui, nous en avons quatre points de recommandation. Parce que vous avez couvert tout à l'heure avec le ministre deux sujets fondamentaux, à savoir la politique du juste prix et puis l'installation de l'usine de transformation de maïs en farine. Mmh. Donc, pour chaque point, nous avons deux recommandations à faire. Mais avant cela, permets-moi de souligner quand même le ton de l'intervention du ministre aujourd'hui, qui est assez respectueux et violence. Sans violence verbale à ton égard, ni à l'égard des Tchadiens de la diaspora, comme il l'a fait dans le passé. Oui, je me rappelle, il avait dit que nous sommes des immigrés alimentaires. Je me rappelle aussi qu'il m'avait, il m'avait aussi insulté live, en direct aussi. Mais c'est vrai, oui, aujourd'hui, il a été très poli. On l'a pardonné, il est pardonné. Donc voilà, on accepte tout ce qui est critique, positif, mais sans violence verbale. Exact. Certaines remarques, ça nous permet même de nous améliorer. Donc voilà, pour autant que ça soit dit dans le respect, et ça passe. Et voilà, donc je tiens à le féliciter pour ce progrès. Hein. Réellement, je tiens à le féliciter. Donc, parlant des recommandations, je souligne, il y a certains points que le ministre a développés, je ne suis pas personnellement d'accord. Mais là n'est pas le problème. Je ne vais pas intervenir là-dessus. Je vais passer directement aux recommandations. Il semble optimiste. Hein. Il semble optimiste à la fin. Mm-hmm. Et nous donnons aussi, nous permettons aussi d'être optimistes en émettant l'hypothèse selon laquelle l'État tchadien est en train de créer un climat d'affaires, d'assainir le climat d'affaires des affaires au Tchad de façon permanente. Comme il l'a dit, et pour attirer les investisseurs. Et ouais. Puis, le fait qu'il fasse le contrôle des prix à travers les trois organes que le ministre a cités, je ne me rappelle plus des noms exacts, eh bien, nous disons que voilà, si ces dispositions sont prises, voici les recommandations que nous faisons. Pour la politique de juste prix. Un, nous demandons au gouvernement de renforcer les mesures coercitives à l'égard des commerçants véreux qui font la surenchère des prix. Parce que si jusqu'à aujourd'hui les commerçants s'adonnent à cette pratique-là, c'est justement parce que les sanctions ne sont pas exemplaires pour les assez dissuasives à leur égard. Donc, le ministre a dit on ne réinvente pas la roue, l'heure n'est pas aux sanctions. Non! Il faut marteler les sanctions. Il faut qu'ils soient au courant des sanctions qu'ils encourent lorsqu'ils vont augmenter les prix de façon artificielle. Mmh. Parce que ça, ce n'est pas de l'inflation qui est créée par les conditions du marché. Mais c'est de l'inflation artificielle qu'eux, ils créent pour empocher beaucoup plus de bénéfices. Alors, il va falloir leur marteler clairement, voici A, B, C sanctions que vous encourez lorsque vous vous permettez de faire ce jeu-là. Oui. Et deuxièmement, nous demandons au gouvernement de veiller à éliminer la corruption dans le milieu des agents contrôleurs ou des brigades contrôleurs. Pourquoi? Parce que
on peut beau avoir la loi, on peut beau avoir les textes de loi, on peut beau avoir des sanctions, mais lorsqu'on envoie les agents de l'État sur le terrain pour faire des vérifications et lorsqu'ils surprennent un commerçant en flagrant délit d'augmentation abusive de prix et que ce commerçant, sachant très bien que l'agent il n'est pas bien payé ou bien il est corruptible, il peut lui glisser quelques billets de banque, oui. Et ce commerçant peut ne pas appliquer la sanction. Mm-hmm. Donc, ces agents sont corruptibles, ça ne pourra pas marcher. Cette politique de juste prix-là sera juste de la propagande et ça n'aura pas son efficacité sur le terrain. Mm-hmm. Donc, pour comment ils peuvent éliminer la corruption, nous donnons trois pistes. Le premier, c'est de sensibiliser les agents. Moi, je suis fière de par exemple, j'ai fait un peu le Burkina, et j'ai remarqué que aux frontières de Burkina, les douaniers et les agents ne sont pas corruptibles. Ils appliquent les règles de d'entrée sur le territoire burkinabé. Et j'aimerais voir les agents de l'État tchadien être comme des agents. Les Burkinabés, c'est des Africains aussi. Oui. Ils ne sont pas mieux payés que les Tchadiens. Mais pourquoi ils appliquent? C'est parce qu'il y a un dirigeant, Sankara, qui a leur a inculqué cette mentalité-là. Donc, s'ils peuvent faire cette sensibilisation auprès de leurs agents pour faire appliquer effectivement la loi. Et comment ils peuvent y arriver? C'est donner un bon traitement salarial à leurs agents. Un agent qui est mal payé, mais il est bien enclin à tendre la main pour prendre de l'argent qu'on lui donne. Oui. Donc aussi, il faudrait qu'on sanctionne ces agents-là qui se font corrompre par les commerçants qui élèvent les prix abusivement. Donc voici les deux points qui permettront à ce que cette politique de juste prix sera efficace sur le terrain. Oui. Maintenant, concernant l'usine de transformation, je suis très heureuse de savoir que il y a un investisseur tchadien qui y fait partie, un actionnaire tchadien. Ça, c'est très encourageant. Mais gardons quand même à l'œil dans nos esprits qu'il y a un investisseur chinois. Et les investisseurs chinois, d'abord, l'histoire nous le montre, les actualités nous le montrent, ce sont des gens qui sont aussi véreux, plus véreux que nos commerçants qui augmentent les prix. Tout à fait. En ce sens que lorsqu'ils fabriquent des aliments, même sur leur territoire, quand ils envoient ça en Afrique, la qualité, ils disent la qualité africaine, oui. Qui est de piètre qualité. Oui. Et lorsqu'ils envoient ici en Occident, la qualité est la qualité occidentale, c'est-à-dire aux normes que les pays occidentaux leur imposent. Oui. Alors, pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui sont irresponsables à la base. Ils ne contrôlent pas tout ce qui rentre, même si on met du poison dans les aliments qui rentrent pour gonfler la quantité, eh bien, ça passe. Mmh. Et pour réduire aussi le coût de fabrication, ça passe. Donc, ils doivent veiller à ce que, étant donné que l'usine est sur le sol tchadien, mmh. Et en plus, dans la capitale, ils doivent veiller à la qualité des intrants. Comment ils peuvent le faire? Parce qu'il faudrait que la composition soit majoritairement à base de maïs, comme ils le disent. Je ne suis pas contre qu'ils mettent des agents de conservation là-dedans, mais ça doit être du maïs, comme ils le disent. Ils doivent pas, parce qu'ils sont capables, ils ont fait du riz à base de plastique, on a vu. Ben oui, je l'ai partagé aussi sur ma page. Les Chinois ont fait du riz avec des plastiques. Voilà, oui. Donc cet investisseur chinois, pour gagner plus, il est capable de mettre autre chose à la place de maïs et vendre ça comme de la farine de maïs. Mmh. Donc, l'État tchadien doit mettre en place, voici ce qu'on propose en premier point, mettre en place une unité d'inspection et de contrôle des aliments, oui. au sein de ce ministère-là, qui va contrôler la qualité. Et ça, c'est aujourd'hui, parce que là, ils sont en train d'ouvrir la voie aux investisseurs étrangers. Donc, cette unité est très importante. Pourquoi? Parce que tout ce qui sera fabriqué sur le sol tchadien, il faut y avoir un contrôle total de A à Z, oui. Sur la chaîne de fabrication. Oui. Ça, c'est numéro un. Parce que ça va contribuer à la santé publique de la population. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, ils se lèvent le matin, ils ont un ventre gonflé,
Et puis voilà, il décède à la suite de ça. Il va, sa famille va dire qu'il a été empoisonné. Non, ils disent aussi que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais écoute, on te dit par exemple que la tomate concentrée qu'on vend en Afrique là contient des additifs toxiques, hautement toxiques. Et les gens consomment tous les jours. C'est ce qui donne des maladies maintenant inimaginables sur le territoire africain. Même les cubes magiques, là aussi. Exactement. Ouais. Donc, on ne sait pas quel additif. Donc, alors, cette unité-là aura des scientifiques. On a des Tchadiens qui ont étudié dans ce domaine-là. Donc, que le gouvernement recrute des scientifiques pour faire des tests de ces aliments-là qui seront commercialisés. Oui. Moindrement qu'il y ait présence des additifs toxiques qu'on rejette là, et jusqu'à ce qu'on prenne des sanctions contre l'usine. Pourquoi pas? Parce que je suis convaincue qu'ils vont le faire pour augmenter le volume. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, étant donné que l'usine, n'oublions pas, cette usine sera en situation de monopole. Et aujourd'hui, le prix affiché, c'est un prix médiatique. C'est un prix médiatique, mais je suis sûre que dans l'avenir, étant donné qu'ils sont en situation de monopole, ils ont un pouvoir sur le prix. Et ils vont créer de la rareté pour pouvoir augmenter le prix sur le marché. Oui. Et le gouvernement va fermer les yeux et il va laisser passer. Donc, il va falloir veiller à cela. Aussi, étant donné que l'intrant, c'est le maïs, il y a des petits cultivateurs de maïs là. Ce qui est arrivé à notre coton, cultivateur de coton, il ne faut pas que ça arrive aujourd'hui. Parce que les petits cultivateurs, étant comme l'investisseur est en situation de monopole, et il va au début, il va leur acheter cet intrant, mais à la fin, il peut leur faire des chantages. Vous me donnez tel à tel prix dérisoire. C'est arrivé avec tout ce qui est comme les mines en Afrique. Les petits producteurs qui vont creuser au prix de leur vie, on leur achète à vil prix pour après faire des profits faramineux. Alors, il va falloir veiller à ce que, même au niveau des cultivateurs de maïs, là, qu'on ne les impose pas des prix, mais vraiment dérisoires. Il faut qu'il y ait des contrôles là. L'autre problème aussi concernant la qualité, là, ils sont capables aussi de mettre des faux délais de péremption. C'est-à-dire, si la farine doit s'expirer dans 6 mois, ils peuvent mettre dans 1 an, par exemple. Donc, il faut que nos scientifiques testent tout cela. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudrait que l'État tchadien soit aussi responsable parce que cette usine, même si les mix tchado-chinois, les Chinois, ils sont réputés être des employeurs qui maltraitent leurs employés. Oui, mais même, je lui ai demandé, il n'y avait pas beaucoup de... C'est entre 80 personnes seulement, c'est pas beaucoup. Et en plus, ce n'est pas le Tchad avec la Chine. C'est un individu. J'ai posé la question pour préciser, c'est un individu. Je lui ai demandé le nom, il ne voulait pas me dire le nom, je ne sais pas pourquoi. Probablement que c'est quelqu'un de proche de Déby ou de la famille de Déby. Cela ne tienne, qu'il soit proche de la famille ou pas, si c'est avec l'argent du détournement, cela sera restitué aux Tchadiens demain, qu'il ne se leurre pas. Maintenant, on suppose que les choses sont faites dans les normes, dans la règle de l'art, mais à ce niveau maintenant, qu'est-ce que nous on propose? On dit que il faudrait que l'État veille à ce que l'employeur chinois, moi je mets l'accent sur l'employeur chinois, respecte les normes du travail sur le sol tchadien. Parce qu'il œuvre sur le sol tchadien. Il doit respecter la norme du travail sur le sol tchadien en ce qui concerne les heures de travail. Si eux en Chine, ils prennent des prisonniers pour les faire travailler 24 heures sur 24, ils ne doivent pas répéter ça sur le sol tchadien. Il est hors de question qu'on accepte ce genre de traitement. Et deuxièmement, ils sont réputés de faire des chantages. Ils payent très mal les ouvriers et ils leur font des chantages. Vous n'avez pas de boulot, si vous ne voulez pas, je vous licencie. C'est pas normal. Est-ce que nous avons un gouvernement ou non?
Et c'est ça, c'est le rôle des syndicats aussi doit être. Exactement. Les syndicalistes doivent aussi taper sur la table, hein, si C'est on ça. peut licencier comme Il ça des s'agit gens. pas d'ouvrir, voilà, d'ouvrir le marché à des investisseurs, mais il faut veiller. Il va falloir maintenant être sur ces gardes-là, protéger la population, protéger les cultivateurs, protéger les employés qui vont travailler dans cette usine-là. Et surtout, le respect des droits des travailleurs. Le harcèlement, la maltraitance, le licenciement, le sentiment abusif qu'ils font aux gens, ça ne doit plus se répéter. Oui. Donc, voici en 4 points OK. les recommandations que nous voulons, concernant les deux thèmes-là, que nous voulons, nous allons envoyer ça formellement au gouvernement. Et puis, nous leur souhaitons vraiment bonne application. Merci beaucoup, Reine. C'était Reine, notre coordinatrice. Et on va envoyer ces recommandations-là. On va envoyer au gouvernement tchadien. Et on a l'impression que s'il y a des bonnes idées, ils les piquent. Donc, on va espérer qu'ils vont aussi tenir compte de quelques de ces 4 points-là. Alors, merci beaucoup. Oui, à bientôt. Bye. Oui. La dernière heure, nous allons recevoir donc un ancien militaire. Ben, je ne sais pas s'il est ancien, il est encore militaire. C'est un lieutenant. Oui, un lieutenant qui a beaucoup de choses à nous dire, des révélations à faire. Vous savez qu'en 2017, il y avait un coup d'État. Il y avait un coup d'État en Guinée. Ramadan, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, bien sûr. Oui, merci. Donc, il y avait Oui, un coup... allô? Oui, reste en ligne, s'il te plaît. Il y avait un coup d'État en Guinée. Et ce coup d'État-là, Idriss Déby était derrière. Et ceux qui ont suivi des nouvelles, ceux qui ont lu dans les médias, ont un peu, peut-être, ça leur dit quelque chose. Donc, l'une des personnes, l'un des militaires qui était aussi dans cette affaire-là, engagé bien sûr par Idriss Déby pour aller faire un coup d'État en Guinée, il accepte de nous donner les détails aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir, donc, il s'appelle, c'est un lieutenant, Ramadan Ramzi, qui nous fait l'honneur, nous a appelés et il ne voulait pas faire ses déclarations, pas avec n'importe quel média. Mais il voulait le faire avec nous. Nous sommes très, très, très reconnaissants pour la confiance qu'il a placée en nous. Donc, lieutenant Ramadan, comment vas-tu? Bonsoir, Amibo, bonsoir. Oui, tu as beaucoup de choses à Je dire. Je vais prévenir. Oui, tu as beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Merci, Migo. Je suis Ramadan Service Ngame. Je suis un lieutenant. Je suis né le 25 octobre 1979 dans la sous-préfecture de Moïse-Chari, précisément à Sarre. J'ai okay. passé mon enfance à Mont. Oui, et tu es rentré dans l'armée. J'ai fait mes études. Tu es rentré dans l'armée en quelle année? Oui, je suis rentré dans l'armée en 2003. Je suis rentré en armée en 2003. OK. Pour suivre une formation de Mossoro. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est là où je puis. Oui. Il y a un délai quand on parle, mais peut-être c'est la connexion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et que tu as décidé de partager ces révélations-là avec nous. On va aller droit dans le but. On va aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2017 lors du tentative de coup d'État en Guinée équatoriale? Je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais bel et
faire savoir cette nouvelle de ce qui s'est passé réellement en novembre 2017. Oui. Moi, je suis dans mes fonctions. Tout le temps, je suis dans mon lieu de travail. Il y avait le général Mamad Kodo qui est venu me voir parce que ces derniers, on a pu travailler ensemble vers les années 80... Comment? Du défunt Daou Soumaïn, le FEMGA. Oui. Et c'est de là qu'il est venu me contacter qu'ils ont une mission. Est-ce que je peux venir les aider afin qu'on puisse accomplir cette mission? Alors, j'avais posé des questions de quelle mission il s'agit, m'ont dit d'un coup d'État en Guinée équatoriale. Et donc, c'est de là où on m'a chargé de recruter les gens parce qu'on avait fait une réunion qui dit qu'on doit aller faire ce coup d'État discrètement. Et l'auteur, c'est nous, mais le cerveau, c'est le président de lui-même. J'étais convaincu parce que j'avais même posé des questions, mais est-ce que c'est possible que nous, étant des militaires, et qu'on doit travailler, il m'a dit que non, ce ne sommes pas nous, mais nous sommes seulement les têtes qui devons aller avec d'autres personnes qui ne feront pas l'action. Mais comme le général, lui-même, il n'est pas en fonction. Vous savez, toi, c'est quelqu'un qui a pourtant à être aussi contre débit, mais après son arrestation, il est là sans fonction. Débit ne lui a pas donné de travail. Donc, c'est de là où il ne sait pas s'il a cette occasion pour en faire ce que le président connaît. Alors, ce qui m'a convaincu, il m'a fait savoir que le directeur général de la police de N'Djamena, national de N'Djamena, Arda, oui, qui est au courant aussi de cette affaire, et c'est lui qui coordonne. Oui. Et c'est lui qui coordonne l'opération. Alors, un jour, il nous a envoyé avec le colonel Haroun. On est parti voir Tahir Arda. Entre-temps, c'était en 2017. Ok. En octobre 2017, quand Haroun et le général devaient aller à l'autre, devaient aller au Cameroun pour inspecter les terrains. Vous voyez? Et c'est comme ça que je suis allé. Haroun a parlé avec Dieu. Le DG lui a même donné des sous pour son voyage. Et il a mis en contact avec le directeur des renseignements généraux qui se nomme Begoto, entre-temps. Alors de là, les Haroun sont partis. Dès qu'ils sont revenus, ils avaient toutes les possibilités maintenant d'engager les gens. Et c'est là où moi, je me suis introduit à jouer aussi sur le recrutement de quelques... Ouais. Ok. Oui, Ramadan... Tu parlais du général, comment il s'appelle, général Mamad Kodo. Mamad Kodo Bani, c'est ça? Oui. Donc, oui, bien sûr. Oui, le général Mamad Kodo Bani, c'est lui, Déby l'a appelé et il a nommé la personne à la tête pour aller faire le coup d'État en Guinée. C'est bien ça? Bien sûr, parce que la preuve est que quand... Parce qu'on ne peut pas avoir le président à tout temps, mais il les a mis en contact avec les autorités qui détiennent la sécurité de notre pays. Mmh. Je parle du directeur général de la police,
national et les directeurs des renseignements généraux qui sont tous au courant en 2017, avant que ça se passe à la frontière guinéenne. Ok. Et donc. C'est la preuve qui m'a fait. Oui, oui, on t'écoute. Oui, c'est cette preuve-là qui a fait que je me suis dit, ah, mais là, ça serait vrai parce qu'ils sont au courant. Alors, moi, depuis mon entrée dans l'armée, je n'ai jamais rébellé contre qui? Parce que moi, je n'ai jamais rébellé contre mon pays. Mm. Aller faire un coup dans un autre pays, je ne connais pas. Parce que je n'ai jamais même mis pied au Cameroun, ni en Guinée, parce que dans n'importe quel pays. Ouais. J'ai passé tout mon temps à être dans mon unité et travailler dans mon unité. Oui, mais tu as été arrêté. Tu as été arrêté. Est-ce que c'était suite à ce coup d'État-là que tu as été arrêté? Mais d'abord, est-ce que tu étais en Guinée physiquement? Est-ce que tu es allé sur le terrain pour exécuter donc ce coup d'État? Non, Migo, je suis... Moi, quand on m'a arrêté, j'étais au commissariat central avec quelques de mes amis, on était ensemble. Ouais. Comme je le disais tantôt, Mamad Kodo a bien dit que cette mission doit être discrète. Le président ne veut pas que le monde sache qu'il est derrière ce coup. Mais on se demande à Ramadan, pourquoi Idriss Déby veut faire un coup d'État en Guinée? C'est dans un autre pays. Est-ce que le général Mamad Kodo vous a expliqué un peu pourquoi Idriss Déby veut faire un coup d'État en Guinée? Ça lui profite à quoi? Mais ça, on n'a pas besoin de dire le pourquoi, parce que notre président, c'est un président qui est invité. Il y a beaucoup de histoires en Afrique. Je vais vous donner par exemple le cas de RCA. Oui. Le cas de RCA, tout le problème de la République centrafricaine, Déby. Vous voyez? Oh, c'est incroyable. Déby est habitué. C'est un affamé de pouvoir. Hein? Alors, comme il a pris le pouvoir par les armes, et que. Moi, je dis qu'il n'est même pas un président tchadien, parce que je trouve que c'est un individu qui prend les armes et il est là, tête de la nation, il fait de cette élevée. Comme nous, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'autorité, on n'a pas les armes. Ouais. Ce qu'il fait. Ouais. Alors, c'est une mission qui est donnée, et comme il a l'habitude de donner cette mission à plusieurs fois. Ouais. Vous voyez? Alors, Mamad Kodo n'a pas de travail. Un grand monsieur respectueux. Il est loyal. Comme ça qu'il a accepté la mission. C'est ce qui s'est passé. Mais il est où en ce moment, le colonel? Alors, le général Mamad Kodo, il est où en ce moment? Il est en prison au Cameroun? Et pour le moment, il est en prison au Cameroun. Donc, il est en prison depuis le 25-26 décembre. De quelle année? Il est arrêté par les autorités camerounaises. En quelle année? Encore 27 décembre 2017. 2017, donc c'est la même année où il y avait eu le coup d'État. Donc, il a été arrêté. Même année. Il a été arrêté suite à cela? Oui, Miko, je voulais que tu saches une chose. Oui. Je voulais que tout le monde le sache aussi, cette partie-là. Oui. Vous voyez, nous, quand on nous a arrêté un lundi le 27 novembre 2017. Quand on préparait ce coup d'État, c'est par rapport à une suite d'informations, et comme la mission est discrète, alors que cette suite est sortie de notre groupe, c'est-à-dire de notre côté. Alors, pour que cette mission s'accomplisse, il faut que nous qui avons laissé
qui sait peut-être cette information. Il faudrait qu'on nous caserne quelque part. Tu vois, non? Mm. Et quand ils ont cette information, ils déjà, avaient déjà cette information, ils ont sauté le samedi 27 novembre 2010. Ils ont sauté le directeur de renseignements généraux qui est Bégoto. Ils l'ont sauté fin samedi. Alors que le lundi, on nous arrête. Moi, comme je le dis souvent, que je ne suis pas allé nulle part ni en Guinée pour aller faire ce coup d'État. Je suis en N'Djamena, on m'a contacté en N'Djamena. Tu vois? Mm-hmm. Et je ne connais même pas, je ne connais pas, les médias ont dit que ce sont les Guinéens, les quoi, c'est les auteurs. Mais à mon niveau, moi, je sais que c'est des vies. Okay. Parce que je n'ai jamais été en contact avec ces gens. Et je m'explique. Donc, oui. Tu vois, oui. Quand on est arrêté le 27 juin, je suis allé expliquer directement au directeur des renseignements généraux en train, à mi-temps. C'est la juin. J'ai fait sortir tout ce qui était dans l'autre, dans la pièce. Je les ai dit, je voulais parler tête à tête avec les directeurs. Je lui ai expliqué, mais cette affaire, c'est comme ça, pourquoi tu ne veux pas. Je m'excuse, pourquoi vous n'êtes pas. Il vient d'être nommé le samedi. Alors, je ne connais pas cette histoire. Mais bien sûr, appelez les directeurs pour vous expliquer, parce qu'il est au courant de cette mission. Et c'est comme ça où il a dit que ah, mais l'affaire, c'est grave, il va nous garder. Mais imaginez, Migo, si on vous informe. Et il y aura un coup d'État, même si l'information est fausse, en tant qu'un agent de renseignement. Est-ce que vous allez rester pendant un mois dans cette affaire pour attendre jusqu'à le jour J que les choses ça se passent avant de se déclarer? Ouais, c'est là le sujet, c'est là où on ne comprend pas. Mais il y a quelques auditeurs qui demandent, ils veulent savoir combien de personnes sont impliquées dans ce coup d'État. Est-ce que tu as une idée, vous étiez combien, les Tchadiens? Je ne connais pas bien le nombre exact. Vous voyez? Parce que il n'y a pas seulement les Tchadiens. Il n'y a pas seulement les Tchadiens. Il y avait les Centrafricains, il y avait les Guinéens, il y avait les Guinéens même en personne. Alors, nous qui sommes en N'Djamena, on parle de 11 personnes. Imagine avec 11 personnes, on peut faire un coup d'État en Guinée. Combien de personnes? 11 personnes. Okay. En Djamena. Vous étiez 11 personnes, ok, d'accord. Vous arrêtez d'abord 7 personnes, 4 sont venues après. Ok. Wow. Bon. L'autre chose qu'on aimerait savoir, tu as été arrêté. Tu as été amnistié par Idriss Déby plus tard. Il t'a pardonné, il t'a libéré. Idriss Déby a signé un document pour libérer quelques prisonniers. Donc, tu en fais partie. Tu as été libéré. Mais il y avait un revirement. Plus tard, on cherche à t'arrêter encore. Pourquoi ce revirement? Je n'ai pas fini encore la partie à la RG. Ah, ok. Oui, allez-y. On peut reprendre, c'est ça. Oui. Je dis bien, si seulement Déby n'est pas dans ce coup où le gouvernement tient un coup, on nous a arrêtés, on leur a dit bel et bien qu'il y a un coup d'État, même si vous n'êtes pas au courant, il y a un coup d'État qui doit se passer un mois d'avance. Entre-temps, le général Mamadou Kore était encore en N'Djamena. Il n'a même pas bougé. Il était là. Et comme j'ai dit qu'ils sont derrière, ils ont gardé cette information. Ils ont gardé cette information. Mmh. Et comme nous, l'information, la fuite d'information est sortie de notre côté, on nous a gardé à la RG juste pour que l'action se passe. Et aujourd'hui, on est en train de payer le pot cassé. Parce que personne ne va croire de cette histoire. Sinon, le jour où on leur a dit, le 27 novembre, je me rappelle bien de la date, c'était à 11h, le 27 novembre 2017, que cette information est venue déjà dans l'oreille des autorités qui sont
les directeurs des renseignements généraux qu'il y aura un coup d'État. Alors, l'ambassade guinéenne était encore en Djamena. Pourquoi ils n'ont pas saisi les autorités guinéennes? Alors, c'est là où j'ai dit ils sont impliqués. Et que c'est le président même qui est dans ce coup. Parce que par rapport à ce que le général m'a dit, je trouve que c'est là où je trouve le point où il est impliqué. Qu'est-ce que le général, là, qu'est-ce que le général t'a dit? Par rapport à cette opération, oui. Le président a demandé qu'on fasse ce coup d'État. Ah, il a dit que. Et qu'on doit recruter d'abord. Le général a dit que ce ne sont pas. Déjà qu'on a recruté, ce ne sont même pas des militaires. On a recruté, ce sont des clandomans, des taximans, des gens qui n'ont pas de travail. Oui, Ramadan. Il lui a dit, oui. Oui, attends, juste une question avant de continuer, parce qu'il y a un auditeur qui demande une question, et c'est la question, je l'avais aussi en tête, et je voulais te poser. Mm-hmm. Il voulait savoir combien tu as reçu comme l'argent. Parce que quand tu es engagé dans une mission, on devrait normalement te payer, oui. Donc, combien tu as reçu pour, comme argent pour aller faire un coup d'État ou assister ou bien à participer au coup d'État en Guinée? Tu as reçu de l'argent ou il y a une promesse de recevoir de l'argent? Il y avait une promesse d'argent. C'était une promesse. Il y avait une promesse d'argent. Combien? C'était une promesse. Combien? C'était une promesse. Et combien? On t'a promis environ, combien? On a parlé environ 2 milliards. 2 milliards pour une personne ou bien pour vous tous? 2 milliards pour nous. Quand on descend au terrain, ils vont nous donner les 2 milliards afin que nous puissions envoyer quelque chose aux enfants des trucs. Donc 2 milliards, tu as dit que vous étiez 11 personnes, des Tchadiens. Donc 2 milliards pour vous, 11 personnes, c'est ça qui a été promis? Non. Pas pour nous, les 11. C'est toute la contingente tchadienne qui doit participer à ce coup d'État. Ok, d'accord. Oui, donc c'est une parenthèse. Mais merci d'avoir répondu à cela. Oui, vas-y, on t'écoute. Tu peux continuer. Voilà. C'est là où j'ai dit que Déby est le cerveau de ce coup d'État. Parce qu'à chaque information qui passe, dans l'autre, la direction des renseignements généraux, il est au courant. Que ce soit dans la police, il est au courant. Ouais. Alors, comme lui, il est le cerveau, il est en fait en début préparé aussi notre fameuse 4e République, qu'on n'en sait rien là. Mois de mai, on nous a fait savoir avant même que le président va nous amnistier. Il va nous amnistier. On a dit d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, lors de son discours, il a introduit aussi notre cas, mais ce n'est rien. Oui. Mais au Tchad, il n'y a pas de mercenaires au Tchad. Si Déby n'a pas envoyé des gens quelque part aller faire le coup, ou avant, bien avant, ils envoient les gens, il n'allait pas amnistier les gens dans les cas de mercenariat. On n'a pas une formation qui forme des mercenaires au Tchad. Ah oui, cette partie, j'ai pas bien suivi, j'ai pas vu dans sa déclaration. Déby a dit que il va amnistier les mercenaires tchadiens. C'est ça qui a été dit? Bien avant, on a fait savoir qu'il va nous amnistier, il va nous relâcher. Parce que si nous relâche pas, il croyait qu'un jour peut-être nous serons dépassés. Et puis, on va dire la vérité. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, il va introduire l'amnistie de notre libération, que nous sommes inculpés comme des mercenaires.
Mais ça a été fait. Donc, tu as été amnistié. Donc, tu ça as été, a été fait. Ça a été fait. Mais pourquoi on te cherche maintenant? Parce qu'actuellement, tu m'avais dit que tu es en fuite parce qu'ils cherchent à t'arrêter encore. Pourquoi on te pardonne et subitement, Déby veut encore t'arrêter? Pourquoi Déby veut encore te mettre en prison? Pourquoi? Mais je dis, Déby, il est un individu qui a pris les armes et il gère ce pays comme il le veut. Normalement, dans un pays où la justice, la parole d'un président et que la justice mette en pratique, le jour de notre réquisition aux fins des poursuites, qui nous a été remis par le ministre en personne, celui-même qui a présidé, et je crois que l'information a été diffusée dans tous les médias, la radio nationale tchadienne, la télévision, RFI, BBC, tous ces médias ont diffusé. Oui. Alors, et comme il est le maître, j'ai dit, de cette nation, il peut faire tout ce qui lui semble bon. Moi, je dis bien que notre justice existe bel et bien. Je fais confiance à nos magistrats qui ont étudié afin qu'ils puissent mettre en pratique au service de la nation. Mais ils sont sous régime de Déby. Ils travaillent avec Déby. Ouais. Vous voyez? Ouais. Alors, il peut te mettre en prison comme il le veut, il peut te relâcher comme il le veut. Nous, nous sommes amnistiés. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon papier avec moi. Oui, oui, tu m'as envoyé le papier. Là, j'ai mon papier avec moi. Exactement, je t'ai même envoyé. Exactement. Ouais. J'ai même envoyé l'audio de la décision de l'autre, là, de notre libération. Je crois que tu as écouté. Oui, j'ai le document et j'ai aussi l'audio, oui, c'est vrai. Mais c'est la question qu'on demande pourquoi Déby veut nous encore mettre en prison comme il a mis certains de nos collègues qui sont quatre actuellement en prison. Vous voyez, c'est pour nous faire taire. Parce que quand on sera en prison, on n'aura pas l'occasion de dévoiler tous ces secrets. Mais Ramadan, lieutenant Ramadan, on apprécie beaucoup cette confiance que tu fais, que tu mets en nous. Oui, ça, c'était en 2017. Rien n'a été fait, personne n'a dénoncé. Aujourd'hui, parce que les auditeurs demandent, qu'est-ce qui te pousse à venir dire cela? Est-ce que tu veux que les Tchadiens soient au courant ou quel est le réel motif? Je ne te condamne pas du tout. Oui, on apprécie beaucoup. Oui. Ce qui me pousse. Oui. Ce qui me pousse aujourd'hui, amigo, ce qui me pousse aujourd'hui à dire ça, oui. Nous sommes que des pions. Nous sommes que des pions. Le cerveau, c'est Idriss Déby. Alors, si l'État guinéen, les autorités guinéennes veulent en prendre, ce n'est pas à nous. Ils doivent en prendre directement au président Déby. Ouais. Ils doivent en prendre directement au président Déby. Pas à nous. Parce que même si nous qui avons initié, même si c'est nous qui avons contacté, ou peut-être même si c'est nous qui ont été, les opposants guinéens nous ont contactés pour faire ce coup d'État, et que le jour où on nous a arrêtés, on leur a déjà dénoncé, on leur a dit qu'il y a quelque chose qui doit se passer, informer l'État guinéen. Ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, nous, on paye les pots cassés. Oui. Déby s'en prend à nous. Les autorités guinéennes et aussi, ils nous cherchent. Ouais. Alors, dans ce monde, nous sommes que des pions. Où allons-nous réfugier? Il faudrait que la nation guinéenne et le peuple tchadien connaissent la vérité. Oui, j'ai nous pas. Sommes aussi les citoyens tchadiens. Je ne suis pas militaire, j'ai pas été militaire, mais mon papa était militaire, était un ancien combattant. Il était parti combattre en France, aux côtés des Français pour les libérer quand Hitler envahissait la France. Donc, mon papa me racontait un peu comment ça fonctionne dans l'armée. Alors, un militaire, par exemple, on vous demande d'aller faire un coup d'État ou d'aller faire quelque chose. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter? Je ne connais pas la règle, c'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas un militaire. Si on vous demande, on vous prend, vous allez faire telle chose, vous allez tuer telle personne, est-ce qu'en tant que militaire,
Vous êtes obligé d'accepter parce que l'ordre vient d'en haut. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Hugo, comme tu n'es pas militaire, tu ne vas pas connaître. C'est ça. C'est pourquoi je voulais... On dit un militaire doit exécuter les ordres. OK. Doit exécuter les ordres. Oui. Quel que soit l'ordre qui vient, il doit exécuter. OK. Alors pour nous, nous sommes des jeunes. Des exécuteurs. Vous... Nous sommes des jeunes et on sent que dans l'affaire, si il y a un gros poisson qui est là, alors pour nous, nous croyons que nous serons protégés. Ouais. Mais comme ça fait, voilà, on est en train de payer le pot cassé. Ouais, non, je comprends parfaitement. Ah, mais avant de parler d'autres choses, parce que tu as encore des révélations à faire sur les crimes que Déby a commis au Tchad, tu as beaucoup de choses encore à dire. Tu as été témoin, tu as vu des choses, et tu veux aussi parler des crimes que Déby a fait au Tchad. Ah, avant de parler de cela, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette tentative de coup d'État en Guinée équatoriale? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager encore avec nous? Pour le coup en Guinée, je crois que la vérité est que je voudrais que l'État guinéen sache que nous ne sommes pas capables d'aller faire un coup d'État en Guinée. Imaginez prendre les armes jusqu'à aller à la frontière guinéenne avec la sécurité qui se passe, nous ne pourrons pas le faire. Malheureusement, la personne qui a transporté les armes, il était torturé. Suite à ces tortures, il a rendu l'âme. Il s'appelle Capitaine Abakar. Capitaine Abakar, il a été torturé où? Au Tchad ou bien en Guinée? Non, il était torturé au Tchad. C'est quand ça s'est mal tourné en Guinée, il a pu s'échapper, il est rentré en Djamena. Les agents de renseignement l'ont pris. Et en tout cas, nous, on nous a écoulés déjà à Msinene, à la prison d'Msinene. Et quand il était venu, il était tout mourant. Et ce n'est qu'après d'abord le juge d'instruction, 6e cabinet, lui a autorisé d'aller se soigner par rapport à la demande de ses avocats. Et c'est là où il a rendu l'âme. Sinon, il va expliquer par comment il a pris ses armes jusqu'à là-bas. Et vous voyez, comme c'est lui-même qui a amené les armes, il doit bien s'expliquer. Alors, ils l'ont assassiné. Ouais, c'est triste. Donc, comment il s'appelle? Capitaine qui? Capitaine Abakar, Mantere. OK. Lui, il était physiquement sur le terrain en Guinée avec les armes tchadiens. Celui qui a transporté les armes du Tchad jusqu'à la frontière guinéenne, c'est-à-dire la frontière qui fait Guinée, Gabon et le Cameroun. Ok. Ah, c'est triste, c'est triste. Bon, oui, tu as beaucoup de choses à dire aussi sur les crimes que Idriss Déby a commis au Tchad. Parce que tu es militaire, tu es plus près, tu vois les choses. Oui, on nous a rapporté aussi beaucoup de choses sur les crimes. Et on profite de l'occasion pour dire aux auditeurs que dans bientôt, on aura une base de données gérée par des spécialistes et avec des grands partenaires. Donc, si vous avez des informations, parce qu'il ne faudrait pas que ce qui s'est passé au temps de Hissène Habré se passe maintenant, parce qu'Hissène Habré a causé beaucoup de dégâts et on ne retrouvait pas de documents. On cherchait dans des bureaux des documents un peu pêle-mêle. Alors, on aura une base de données. Tous les crimes au Tchad, si vous êtes témoin, vous avez entendu quelque chose, vous avez des preuves, vous allez juste envoyer ces documents-là dans cette base de données. On va garder, on va constituer une base de données. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au Tchad. Et il ne faudrait pas que ces gens-là s'échappent comme ils ont fait avec Hissène Habré. Les gens qui ont tué des gens au Tchad, sous Hissène Habré, sont des fonctionnaires en ce moment au Tchad, en Djamena. C'est des criminels, mais ils fonctionnent normalement. Alors, pour éviter cela, on va vous venir avec, vous proposer une base de données. Où que vous soyez, on n'a pas besoin de votre nom. On n'a pas besoin de qui a envoyé. Envoyez-nous seulement des preuves, des documents, des crimes.
Avec les téléphones intelligents, c'est facile. Donc, on veut constituer une base de données sur les crimes au Tchad sous Idriss Déby. Parce qu'il va partir. Quand il va partir, et s'il n'accepte pas la porte de négociation, s'il refuse et qu'il arrive à quitter le pouvoir par la force, il nous faut des preuves. Parce qu'il sera poursuivi. Il va faire la prison. Donc, on veut recueillir les informations maintenant. On va discuter avec des grands médias. On reviendra vers vous. On va mettre le lien. Envoyez seulement les preuves. On n'a pas besoin de votre nom. Donnez-nous seulement les preuves dans cette base de données-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, lieutenant Ramadan, merci encore d'être là. Tu as des choses à dire sur les crimes que Idriss Déby a commis au Tchad. On t'écoute. Ce qui s'est passé au temps des Sénabré n'a rien changé avec le régime d'aujourd'hui. Exactement. Rien n'a changé. Déby est venu seulement avec une méthode où il tue froidement. Par exemple, les crimes qui se sont passés de 1991 jusqu'à nos jours. Je peux dire d'abord, vers les années 92, Déby a commencé comme il voulait mettre sa politique, je ne sais pas, sa politique pour conquérir ces pays et rester à la tête de ces pays jusqu'à l'âge où il doit partir. Déby a commencé d'abord par tirer ses propres compagnons du MPS. Ouais. Ceux qui ont lutté avec lui, ceux qui l'ont amené au pouvoir. Il fomente en 1992, il fomente un coup d'État juste pour éloigner et puis suivi de plusieurs arrestations des officiers Hadjaraï qui sont pliés parmi nous dans ce monde. Je me rappelle de ce moment-là, les Hadjaraï qui étaient massacrés, je me rappelle vraiment de ce moment-là. Voilà, effectivement. C'était un coup fomenté. Comme je le disais, lui, il écarte toute personne qui peut s'opposer à son pouvoir, Déby l'élimine. Donc c'est là où il a commencé à tirer comme le Komzon Younous Khamis Alifa, le Komzon Bani Lagoumour, Captain Ratou, Lieutenant Beyin, comme Herm Mahamat Soko. Vous voyez? Et c'est pas fini. Et quand il a fini avec les Hadjara, il s'est tourné contre ses frères. Par exemple, le cas de Hissène Koti, le frère d'Abbas Koti, oui. En 1980, il y avait plusieurs arrestations et tueries au sein de la famille d'Abbas Koti qui a poussé Abbas Koti à se retirer pour aller créer un mouvement CNR. Vous voyez, il est parti en exil. Après négociation, Abbas aussi est rentré en Berkay parce que c'est un fils du Tchad, il veut l'avenir du pays. Et comme toute personne qui veut l'avenir de ce pays, Déby l'élimine jusqu'à nos jours. Alors, quelques mois plus tard, on lui fomente aussi un coup d'État comme ce qui s'est passé pour le Hadjaraï. On le tue en Djamena en pleine journée, dans sa domicile, un vendredi. Et le même soir, il y a un bras droit de Abbas Koti, qui est Adoum Assil, qui se trouvait à Faya Larjo, comme responsable de la zone. Et c'est comme ça que Déby a envoyé l'adjoint de Adoum Assil, qui est Mahamat Dalio Tangal, un général actuel, gouverneur de la province de Wadi Fira, toujours en fonction, comme tu le dis, ceux qui ont travaillé avec aujourd'hui, ils sont là en train de travailler au Tchad, ils vivent normalement. Donc celui-ci, qui serait envoyé aussi par Déby pour aller prendre Adoum Assil, afin de l'éliminer à la sortie de Ouadidoum,
Afa et Largio. Et ces derniers étaient accompagnés par les éléments de la deuxième bataillon, entre-temps les affaires gardes présidentielles basées à Faya. Vous voyez? Oui. Je peux parler aussi les cas, en 99, en 2000, au Tibesti, le massacre de Toubou, la mort de Youssouf Togoïmi. C'est Déby qui a tout ordonné. Quand Déby tuait les commerçants Toubou, il y avait Youssouf Togoïmi qui cherchait à négocier les choses. Alors il voulait se rendre dans le lieu de rencontre, Déby lui a posé des mines. Une mine anti-char, et ça sautait sur lui. Il est mort. Mmh. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc, toute personne, je dis bien un fils italien, digne de son nom, qui veut l'avenir de ce pays, Déby est contre. Et là, j'en suis sûr, Déby est contre. Ouais. Je ne suis pas la seule personne. Parce que tous les Tchadiens connaissent la vérité. Mais ils n'ont pas la force. Non, mais c'est pourquoi... Parce que je dis bien, il n'est pas le président parce qu'il est un individu. Un individu qui a les armes et il est à la tête de la nation. Parce que je dis, moi personnellement... Déby ne fait que... Bourné... Oui, je vous écoute. Oui, il y avait coupure tout à l'heure, mais effectivement, oui, lieutenant Ramadan, comme on avait dit là, on va constituer une base de données. Alors, ces documents, ces preuves là, tu vas nous les envoyer. Et une autre parenthèse aussi que je vais ouvrir avant de te laisser continuer. Ici au Canada, les gens qui ont causé des crimes ailleurs, en Afrique ou n'importe où, ou qui volent ou qui détournent de l'argent, qui viennent ici. Il y a une loi à Maïski qui est sortie. Moi, je suis allé personnellement rencontrer les autorités canadiennes aussi, donc la GRC. Et je vais mettre un lien aussi sur notre page. Si vous soupçonnez quelqu'un, par exemple, Monsieur X, un Abdraman, par exemple, si vous êtes sûr qu'il a tué des gens au Tchad et vous savez qu'il est ici au Canada, envoyez des preuves. Je vais mettre le lien là, ça c'est le lien du gouvernement canadien. Je vais mettre notre page. Envoyez directement juste son nom avec des preuves. Et si c'est vrai, ils vont interdire cette personne-là sur le territoire canadien. Ils ont commencé à renvoyer des gens. Et même ceux qui ont eu la citoyenneté canadienne, ceux qui ont eu la nationalité canadienne, 50 ans, peu importe l'année, ils peuvent retirer la citoyenneté et on peut te renvoyer du Canada. Si tu as causé des crimes au Tchad, et ils sont nombreux ici en ce moment, beaucoup de Tchadiens, la famille de Déby surtout, qui ont causé beaucoup de crimes au Tchad, ils sont très nombreux ici au Canada. Donc, si vous êtes sûr que ces gens-là ont causé des crimes au Tchad ou qu'ils ont volé de l'argent, ils ont détourné de l'argent, on mettra le lien, envoyez seulement le nom de la personne. Ce n'est pas à nous, à notre organisation, mais c'est le gouvernement canadien. Donc, c'est le message que vous allez envoyer, ça va directement au gouvernement canadien. Ils vont recevoir cela, ils vont étudier. Et si c'est vrai, ces gens-là vont être renvoyés. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais on viendra avec les détails pour vous donner. Donc, on veut ramasser des preuves. Ils ont causé beaucoup de tort aux Tchadiens. Ils ont tué les gens au Tchad. Ils étaient maîtres, ils étaient au-dessus de loi au Tchad. Maintenant, ils commencent à fuir pour venir ici. Et il ne faudrait pas qu'on leur laisse finir leur vie en paix ici. Et si les autorités canadiennes le savent, ils vont être renvoyés. Ça, c'est clair et net. Oui, lieutenant Ramadan, tu peux continuer. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Ok, cette parenthèse est intéressante parce que je ne manquerai pas si j'ai des informations. Mais par rapport à ça, c'est toute la famille de Déby qui sera renvoyée de là-bas. Mais si tu as les noms avec des preuves là, tu peux juste envoyer. On va mettre le lien, tu envoies directement et c'est le gouvernement canadien qui va recevoir cela. Et si tu sais que la famille de Déby est ici au Canada
et que tu soupçonnes que cette personne de la famille de Déby a fait des crimes au Tchad, envoie juste son nom. Et ils vont le traquer. Et ils seront renvoyés. J'ai bien compris. Oui, merci pour cette parenthèse. Oui, pour finir, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les crimes de Déby au Tchad? Bien sûr. Il y en a d'autres que je n'ai pas pu encore citer. Par exemple, le 13 avril 2006, il y avait 36 officiers supérieurs arrêtés et qui étaient accusés avec l'attaque de N'Djamena par les rebelles de FIC. Parmi ces officiers, il y a des Ouadéens, Hadjaraï, Tama, Arabes. Et parmi ceux-là, se trouvait Abakar Gueye, Amis Dokon, Captain Ahmad, Colonel Djibril Azen. Aujourd'hui, l'actuel SEMGA, deuxième adjoint Toufa, entre-temps, il était aussi accusé. Et lui, il a reçu à prendre fuite jusqu'au Soudan. Vous voyez? Alors, moi, j'aimerais bien que le monde sache. Il n'y a pas une mort naturelle comme ça parmi tous ces gens que je viens de citer. Tous ces gens ont été assassinés. Tous ces gens ont été assassinés. Je répète bien, tous ces gens ont été assassinés par Déby. Et tous les Tchadiens le sachent. Les autorités militaires le sachent. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Alors nous, on a accès avec celui qui ne fait que nous tuer. Et j'aimerais dire à Déby que, bien sûr, il a tué ces hommes braves de cette nation, mais il a oublié qu'ils ont des enfants. Il a oublié qu'ils ont des enfants. Et ces enfants ont grandi aujourd'hui. Je fais parmi de ces enfants-là. Alors, tout ce que nous voulons, nous sommes une nation. Et s'il n'est pas à mesure de diriger ce pays, il a assez fait des crimes, il a assez versé le sang des Tchadiens. Il n'a qu'à quitter le pouvoir et aller se reposer quelque part. Mais la justice aussi ne va pas les laisser, parce que tous ces crimes, on ne va pas les laisser passer comme ça. Allô? Allô? Oui, 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 je te reçois très bien. Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Bien sûr, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah, parfait. Mais pour finir, est-ce que tu as d'autres révélations à faire? La liste est très longue. On pourrait te recevoir une autre fois aussi, si tu es d'accord, pour que tu nous donnes ces révélations-là, que tu donnes la suite de la liste aussi. Et est-ce qu'en ce moment, tu es en sécurité? Je sais que tu n'es pas au Tchad, je ne vais pas dire où tu es. Est-ce que ça va? Tu es en sécurité? Même si je te dis que je suis en sécurité, tu vas croire? Je me cache comme un rat. Parce que Djamena a lancé un mandat d'arrêt pour me prendre. Et encore avec ces révélations, tu crois que je serai en sécurité? Non, je le fais ça pour l'amour de ma nation. Je déclare ça pour l'amour de ma nation. Il faudrait que le monde le sache. Même si demain ou l'endemain, je ne sois pas parmi ce monde, il faudrait que le monde sache que ce qui s'est passé, c'est ça. Et Déby, c'est un assassin. Tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais on te remercie beaucoup et surtout bon courage pour le courage que tu as, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et il y a certains militaires tchadiens qui commencent maintenant à dénoncer les choses. Donc, tu emboîtes les pas. Il y en a qui ont fait, quelques personnes qui ont fait même des vidéos, qu'ils affichent, ils en ont marre. C'était un ras-le-bol complet. Et tu n'es pas la première personne. Donc, à ton exemple, peut-être d'autres militaires vont suivre aussi. On lance le message donc aux militaires tchadiens, vous qui êtes à N'Djamena ou bien un peu partout. Vous avez des choses à dire. Si,
c'est possible que de le faire. Il faut le faire. Il faut le faire parce que Déby ne va pas tuer les 16 millions de Tchadiens. À un moment donné, il ne peut plus contrôler les gens. Là, il s'efforce à contrôler. Mais à un moment donné, tu ne peux plus contrôler. Et c'est avec des actions comme ça, des gens qui sortent pour dénoncer, que Déby ne pourra plus contrôler le Tchad. Donc, merci beaucoup pour le courage et sois vraiment prudent. N'hésite surtout pas, tu as mon numéro. À n'importe quel moment, s'il y a quelque chose, tu peux me faire signe. Et au nom de toute l'équipe de Ras-le-bol des citoyens, on te dit merci. Merci parce que c'est que tu racontes, c'est inédit. Aucun média a cette version. Tu as préféré passer par nous. On est très flattés et très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc, merci encore une fois, lieutenant Ramadan Ramzi. Merci, Mugo. Mon dernier mot, je voulais que la nation tchadienne sache que tout ce qui se passe au Tchad, notre malheur, tous, la souffrance, c'est Déby. Parce que je qualifie toujours Déby, c'est comme si un médecin chercheur qui crée le virus et il a l'antidote. Tel que les cas de terrorisme. Les cas de terrorisme, il n'y a pas de terroristes. Les terroristes, le cerveau, c'est Déby. Le cerveau, c'est toujours Déby. Parce que, comme j'ai dit, il est comme un médecin chercheur qui crée le virus et il a l'antidote. Donc, il a le terrorisme et il a les Tchadiens qui partent combattre. Ouais. Tu vois, non ouais. Il n'y a pas de terrorisme. En 2016, quand ils préparaient l'élection, il n'y avait pas de Boko Haram en Djamena. Mais comme lui, il s'est dit, il est comme disait l'autre jour ma grande sœur, celle qui a parlé en arabe, elle dit que Ougar Rajil da, Rajil fit beta, mate Abdel Jo Otam Zé, Ananas da, Dama Rajil. C'est comme ça. Il veut dire que il s'est dit, il est un homme, il est un président, ceci, il est combattant, il fait ceci. Celui-même n'arrive pas à faire, il va aller combattre les gens dans un autre pays, à cause d'une autre nation. Alors que chez lui-même, il ne pourra rien faire. Mm. Tu vois, non? C'est comme ça qu'il a fait venir ces Boko Haram là pour venir exploser, tuer nos frères. Ouais. En Djamena. Et pour faire savoir à l'opinion nationale que lui combat les terroristes et qu'on doit aller garder le pouvoir. Si le Déby devait partir en 2000, gagner les élections. Je disais que ces idiots, ces griots, ceux qui remplissent les urnes. Par exemple, quand je travaillais, j'étais comme chargé de presse à la force mixte tripartite. Mm-hmm. On avait fait une tournée, il y a un chef de village. Il n'a jamais connu la démocratie. La démocratie que Déby a amenée depuis 90, 2016, quand on faisait tourner, il nous a dit qu'il n'a jamais connu la démocratie. Vous voyez? Quand ceux qui sont au fond du village, là, ils n'ont jamais connu la démocratie. Parce qu'ils étaient toujours attaqués par les bandits, ils étaient toujours attaqués par les Arabes qu'on les appelle les Djamdjouis, et ils se posaient la question, où est le gouvernement tchadien qui doivent les défendre. Où est ce gouvernement qui a dit qu'ils ont amené la démocratie? Alors, il nous a dit que... Et quand il a vu le travail de confort, paix à son âme, le général Adam Suleiman Bachar, celui qui a été tué à Tichy, c'est un homme qui travaille. Je sais que c'est un homme qui travaille bien. Un homme sans cœur, sans rancune, un vrai Tchadien. Il aime sa nation parce qu'à chaque fois, il dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est important plus que cette nation. Parce qu'on doit prendre cette nation-là en deux mains. On doit... Et il n'est pas d'accord. Le seul Zahawa qui n'est pas d'accord avec tout ce que Déby fait. Parce que des fois, il s'énerve et il se met à parler de tout ce que le président est en train de faire. Mais comme bon. Il n'est pas dans ce monde, je ne peux pas parler aussi beaucoup de lui, paix à son âme. Et c'est là où je suis que, sincèrement dit, c'est là où j'ai commencé à comprendre que Déby, c'est une personne
comme je l'ai dit, c'est un individu qui est à la tête de cette nation avec des armes. Il fait tout ce qui lui semble bon. Mais il n'est pas présent, Tchadien. Ouais. Mais écoute, tu as dit beaucoup de phrases que les gens ont beaucoup aimées. Dans une des phrases que tu disais aussi que Déby est quand même médecin, chercheur qui crée le virus et propose un antidote. Donc, c'est très philosophique. Et je pense que ça va, les gens vont retenir cela. Aussi, je ne sais pas si tu étais à la présidence, mais tu travailles aussi à la présidence. Mais là, on attend encore une autre révélation. Un garde-corps de Idriss Déby, c'est lui qui est tout le temps avec lui, il voit des choses qui se passent. On a été informé, on ne va pas donner les détails encore, mais la personne a dit que certaines personnes qui ont disparu, ils sont morts, on ne retrouve pas leur corps là. Il dit, vous savez quoi? Il y a une machine là. Ils sont tués, on le met dans cette machine, ils sont broyés. Et on injecte le jus de leur corps dans le fleuve. Donc, y a des choses, il y a des révélations. Les gens nous disent des choses. On va revenir spécifiquement sur ce cas-là quand la personne sera disponible pour nous raconter les choses avec des détails. Donc, même Déby, ces cuisiniers-là, quand ils mangent et qu'il a mal au ventre, il accuse les cuisiniers ou les cuisinières comme quoi ils sont en train de l'empoisonner et les gens disparaissent. Oui, ça, c'est des gars de la présidence qui nous disent cela. Les gens disparaissent. Mais bien sûr. Et on les met dans la machine, les broyer, on injecte le jus sur le fleuve qui est derrière la présidence. Donc, vous qui êtes en Djamena, qui mangez les poissons qui sont derrière la présidence, là, je vous dis, arrêtez parce que vous mangez les corps des gens. On injecte le jus des gens dans le fleuve. Et on aura le temps de revenir avec les détails. Parce que c'est des gens qui sont avec Idriss Déby qui nous disent des choses. Tu parlais de Zakawa. Oui, il y a aussi la famille de Déby, les Zakawa qui ne sont pas d'accord avec lui, qui nous contactent, qui nous disent aussi des choses. On ne va pas dire le nom, mais des gens commencent à en avoir marre. Même sa famille, quelques personnes dans sa famille, les alentours, les gens de la présidence. Donc, restez connectés. On est là pour ça. Nous sommes une radio pour des gens qui n'ont pas de voix. Vous avez quelque chose à dire, faites-le et on se base sur des preuves. On se base sur les choses factuelles. Donc, c'est très apprécié, le lieutenant. On te dit bon vent, sois prudent. Et je te l'ai dit, tu as le numéro à n'importe quel moment. N'hésite pas. Et Déby n'est pas éternel. C'est un être humain. Il va partir. Il va partir. Et un jour, tu vas retourner au Tchad et tu vas continuer à servir le peuple tchadien. Merci, Mugo. Merci pour la radio. Merci de m'avoir aussi je profite aussi pour rendre hommage à tous les soldats qui sont tombés pour la cause de cette nation. À tous ceux qui ont été vraiment, qui ont perdu leurs proches, parce que vraiment c'est triste que vous soyez à la maison et puis un jour on vous apprend que votre père, votre frère n'est plus dans ce monde parce qu'il est tombé ceci. Et pour nous, c'est vrai qu'un militaire, tu dois mourir pour une cause que de vivre pour rien. Mais on ne choisit pas la mort. La mort vient quand elle nous prend. Mmh. Alors, Déby n'a qu'à arrêter à envoyer, il n'a qu'à arrêter à envoyer mes frères d'armes pour combattre une guerre où lui-même il crée l'histoire. Mmh. Parce qu'il n'y a pas l'histoire de terroristes sans Déby. Vous allez voir quand Déby va partir, il y aura plus de Boko Haram. Mais on espère parce que oui, c'est vrai. Imaginez cinq pays. Ouais. Oui. On espère parce que oui, c'est vrai. Non, il va partir, il n'y aura plus de terrorisme, il n'y aura plus de Boko Haram. Parce qu'il va partir avec sa salité, là, il va partir avec. Ça, je suis sûr, il va partir avec. Oui, mais il est en train de créer, parce qu'il créait d'autres conflits dans les Wadaï, là.
sa femme, Inda Debi, est derrière les Janjaweed soudanais qui sont en train de causer la terreur dans la région du Wadaï. Donc, Debi prend ça, il va dire qu'il y a des Janjaweed, aidez-moi à les combattre. Donc, il allume le feu, c'est exactement comme tu l'as dit là. C'est un médecin qui arrive à créer ces choses-là et il a des... Je ne sais pas. Ta phrase est tellement bonne, c'est exactement ça. Les Janjaweed sont là et sa femme est derrière. Et là, vous allez bientôt entendre Debi sortir. Il va dire, aidez-moi à combattre les Janjaweed. Et il va dire, je suis la personne, la seule personne. Ça, c'est un autre virus dans la, dans la région du Wadaï. Lui-même, il va chercher l'antidote. Merci beaucoup, lieutenant Ramadan. Et c'est très apprécié. Sois prudent. Merci, merci, Migo. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Oui, restez connectés. Nous avons. À bientôt. Oui, à bientôt. Nous allons parler avec un politologue qui a quelques minutes à faire une conclusion sur ce qu'on vient d'entendre. Je vais le connecter. Il aura quelques minutes avec nous. Arnie, je ne sais pas si tu es là, si tu m'entends, est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît? Parce que ça me permettra de... je vais essayer de le joindre. Donc, on va parler avec Arnie, qui est un politologue. Et il est un responsable chargé des questions politiques avec notre organisation. On parle beaucoup de portes de sortie. C'est à cause de ces choses-là. Et on sait que Idriss Déby nous écoute, ils écoutent nos émissions. Oui, merci, merci. Tu peux garder la ligne. Idriss Déby suit nos émissions. On a quelques preuves des personnes qui nous ont dit qu'avec des preuves comme quoi, oui, certaines émissions, il suit à la lettre, du début jusqu'à la fin. Et on espère qu'il entend ces choses-là, qu'il entend aussi les doléances des gens. Et Arnie est ici pour nous parler. D'abord, Arnie, est-ce que tu m'entends bien? Je vais te connecter dans le système parce que là... Oui, là, ça va. OK. Tu as suivi Bachir, donc le ministre, ministre Bachir, tu l'as suivi. Tu as aussi suivi... Tu as aussi suivi le lieutenant Ramadan qui a fait cette qui a dévoilé les choses sur le coup d'État en Guinée et les crimes causés par Idriss Déby. En quelques minutes, qu'est-ce que tu as à dire sur nos deux intervenants ou bien ce que tu as compris ou ce que tu as entendu? Merci, merci beaucoup, Migo, de m'avoir la parole. Ben, je vais commencer d'abord par la dernière qui est lieutenant Ramadan nous a révélé beaucoup de choses vraiment très très tristes. Et je voulais commencer par cette situation avant de venir sur l'intervention du ministre Bachir. Ok. En fait, cette révélation, moi personnellement, ça m'a touché et ça a touché également les Tchadiens qui nous suivent de par le monde. Puisque c'est la vie de la nation, parce que la nation a besoin des hommes et des femmes capables de le construire par rapport à leurs idées, leur intelligence et leur savoir-faire. Mais lorsque nous avons ce qu'on appelle une machine à théorie des gens et nous exterminons des gens capables, des hommes pour pouvoir conserver son pouvoir, je pense que c'est quelque chose que nous devons porter pour que l'opinion internationale puisse aussi prendre connaissance de cette situation. La situation qui se prévoit par rapport à l'attaque au coup d'État qui a eu lieu ou soit raté en Guinée équatoriale, le cas de la Centrafrique, l'État révélé ici, ben, je fais une analyse sur géopolitique parce que ces deux situations sont beaucoup plus liées à la géopolitique parce que le président Idriss Déby veut conserver son pouvoir
veut garder le pouvoir et l'opinion internationale, voire la France aussi veut en profiter des pétroles à laquelle d'autres États en possédaient. Vous verrez que la Guinée de Teodoro est un pays à laquelle ce président a eu à utiliser beaucoup plus de ses ressources pétrolières pour pouvoir construire son pays. Et les Guinéens en profitent de ce mal. Vous conviendrez que la Guinée a investi dans son pays par rapport à ses revenus pétroliers. Il a construit des infrastructures. Il a mis également les Guinéens dans des conditions, des logements sociaux et autres, bien des choses. Et que même lorsque le Maroc a décliné de l'organisation de la CAN, la Guinée s'est présentée, il a accepté à bras ouverts pour pouvoir accueillir la CAN. Vous verrez qu'en Afrique centrale, je pense que c'est la Guinée, le seul pays, le président, le Gabon. Et au-delà de ça, tout dernièrement, la Guinée a accueilli également la rencontre de la BAC. Ça, c'est pour dire quoi? Tout cela, c'est pour dire que la France est derrière ce coup d'État. Pourquoi? Parce que la Guinée, le président, veut se démarquer des autres présidents africains et dans le CEMAC. Puis, sorti de la zone France-EFA, ensuite, il voulait que son pays soit autonome. C'est ce qui fait que, voilà, la France voit que, regardez, ce monsieur est en train de réagir autrement. Il va falloir chercher quelqu'un qui va le bousculer. Et ces personnes, c'est qui? C'est Idriss Déby qui est bien placé pour faire cette affaire. C'est ce qui fait passer également en Centrafrique. Donc, voilà la situation. La situation qui se voit. Le président Déby, lui, il se maintient au pouvoir parce qu'il veut garder son poutine. Donc, l'OTAN aussi l'utilise comme un pion pour pouvoir aller déstabiliser le pays voisin. Et lui, il se maintient au pouvoir parce que voilà, c'est eux qui l'ont accordé. Sinon, si elle se calme matin, la France n'a pas des intérêts envers lui. Vous savez que un jour, David partira tout seul. Donc, c'est ce que les Tchadiens et la communauté internationale doivent savoir. Parce que tout ce qui se passe, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Guinée, ben, c'est le président Déby qui est derrière ça, en commun d'accord avec la France. Vous verrez que tout dernièrement, en décembre dernier, lorsque Emmanuel Macron était parti, il lui a donné de l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais il y a une part qu'il devait aller intervenir en Centrafrique. Déby a dit, ben, laissez-moi cette affaire, c'est moi qui vais gérer. Mais sauf qu'il y a une grande puissance qui est là, la Russie, donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Absolument, oui, c'est vrai. Donc, oui. Voilà ce qui s'est passé. Et pour, ce que je voulais ajouter, ou ça dit, le lieutenant a dit une phrase qui est très importante, qu'Idriss Déby est un médecin cherché qui crée des virus et il a également en même temps l'antidote. Oui. Ben, s'ils créent des maladies, il va falloir aussi que les Tchadiens essayent de créer aussi leur antidote. Ils dévient aussi la situation. Donc, il est temps que les Tchadiens se réveillent. Il est temps que les se réveillent et dénoncent la situation. Ceux qui travaillent avec lui, ceux qui sont autour de lui, il serait judicieux qu'ils dénoncent tout ce qui est injuste. Parce que nous voudrions la justice. Nous voudrions que les Tchadiens vivent mieux chez eux. Nous voudrions que tous les corps, que ce soit militaire, que ce soit les fonctionnaires, tout personne vit dans son droit. Donc, quand il y a une situation qui ne repose pas, il va falloir dénoncer. Et vous avez bien dit qu'il y aura une base de données qu'on va recueillir toutes les informations concernant les théories et autres. Il est temps maintenant que les Tchadiens se réveillent. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, oui, à laquelle quelque chose qui se passe dans un petit village peut remonter au niveau national et à l'international. Il est temps qu'il se réveille. Exactement. Et toute situation qui se prévoit de qualité, il est temps que vous dénoncez cette situation, que la situation s'arrête. Voilà un peu en ce qui concerne l'intervention. Et ben, vous conviendrez que, comme l'autre lieutenant a dit, bon,
le président crée des terroristes de Boko Haram. C'est bien évident. J'ai écrit ma mémoire de recherche sur le Conseil de sécurité Boko Haram. Mm. Vous verrez que déjà, Boko Haram est créé dans cette zone hein, de l'Afrique centrale entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. C'est pour créer une instabilité dans ces régions et se maintiennent au pouvoir. Et derrière ça, il y a un jugement également qui est dans la zone de la CAD. Que les gens veulent que l'Occident s'y accorde. Non, il faut que les gens. Il y a pas entendu, c'est des choses que créer pour mettre l'instabilité dans la région et se maintenir au pouvoir. Oui. Ben, écoutez, en ce qui. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'intervention de. Maître Bachir. Oui. Oui, ben, c'est. Et il nous a un peu liré, mais en fait, il doit savoir que, voilà, quand d'abord par le plan de développement qui a eu lieu à Paris, c'est, qui est un échec total. Oui. Et vous verrez qu'ils ont investi des milliards et des milliards pour envoyer une nation ici en France et pour pouvoir chercher des investisseurs. Mais écoutez, quand dans un pays où... et un certain nombre de lois fondamentaux ne sont pas respectées. Oui. En aucun cas, un investisseur pourra se déplacer parce qu'il cherche d'abord la garantie de son. De... Donc, il sera judicieux qu'un investisseur se rassure d'abord d'un certain nombre de choses. Oui. Je reviens rapidement sur le prix d'un kilo de farine qui est de 350. Moi, je trouve que ce prix est exorbitant. Pourquoi? Parce que pour un Tchadien qui reçoit un SMIC de 60 000 francs, le maïs ou le culture, il suffit juste de le transformer en farine. Ben, déjà, même nous, la manière de transformer nos farines de façon traditionnelle, nos mamans et autres le font. Donc, je pense que dans des normes de choses, le prix doit être réduit. Le prix doit être réduit soit à 250 francs. Ça serait à la portée des Tchadiens. Parce que quelque chose qui est chez toi, et tu le payes encore cher, normal. Ouais. Il faut qu'on essaie de voir cette situation. La coordinatrice a suggéré quelque chose de très, très important en ce qui concerne la qualité. Ouais. Ouais. Il faut que cette entreprise... Je reprends au nom de ISO 2000. Pourquoi je parle de ISO ici? Parce que il faut que la qualité soit de vigueur. Il y a le service de contrôle de qualité en face de building là. Il va falloir que ces agents puissent travailler en commun accord avec l'usine pour pouvoir contrôler la qualité. Mmh. Vous savez que le TAD produit des produits bio. Ça vous mentir, ces entrepreneurs chinois risqueront de transporter en Chine ou soit en Occident pour les vendre. Parce que c'est des produits de qualité et c'est des produits bio. Et la population sur place, ils vont encore leur fournir d'autres produits. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas de qualité. Il faut que la population a le regard dessus et que le gouvernement essaie de contrôler. Ça, c'est très, très important. Mmh. Maintenant, ben, il y a plein de choses que le Tchad devait essayer de voir. Hein? Ben, vous verrez, Bachir nous a parlé de faire venir ben, les investisseurs au Tchad. Oublie. Ouais, je vais vous faire quand même un état de lieu. Ah, il oublie que la compétitivité et l'attractivité du forum économique de 2019, ils ont classé le 140e sur 140 pays, le Tchad est dernier. Et le climat au Tchad, nous sommes classés au 180e sur 190 pays. Où est le climat dans la tête du Tchad est favorable. L'indice de capital humain, l'indice de capital humain, nous sommes classés au 157e sur 157e selon la banque. Nous sommes derniers. Ouais. Troisième pays où plus d'enfants meurent à la naissance.
gouvernant 400 pays le plus corrompu, hein, selon Mollbrand Index. Hein. Deuxième dérive où plus de femmes meurent en donnant la vie. Nous avons un taux d'électricité, 3% d'accès à l'électricité, dernier au monde. Vous voyez? Ouais. Alors, tant que nous ne changeons pas cette situation, aucun investisseur viendra au Tchad. Parce qu'il y a des indicateurs que les investisseurs, pour aller dans le pays, essayent de regarder d'abord. Ces indicateurs sont entre autres. Vous voyez qu'il y a les indicateurs d'activité. Donc, il y a la réalisation de différentes activités d'un programme de bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut que ait ce qu'on appelle la bonne gouvernance pour qu'un investisseur puisse se déplacer et aller dans ce pays pour investir parce qu'il a besoin également de garantir son argent. Parce que quand tu as l'argent, tu ne peux pas aller comme ça et dilapider. La bonne gouvernance. Oui. Mais... Et les indicateurs de résultats. Il faut l'organisation des élections libres, pluralisme, suppression préalable d'associations ou de tenue de réunions. Il faut que ces choses se passent réalistes dans le pays. Parce que l'investisseur qui, par exemple, moi qui suis un investisseur qui veut aller un pays ailleurs, je regarde d'abord ces indicateurs. Est-ce que ce pays la respecte? Il y a les indicateurs d'impact. Ouais, il y a les indices de corruption. Oui, même les choses de base. Moi, j'avais dit aussi au ministre, les choses de base comme l'électricité, tu vois, et l'Internet. Oui. Tu vas investir dans un pays au 21e siècle, ça, c'est les choses que tu regardes avant tout. Et l'insécurité, n'en parlons pas. Donc, j'avais dit cela aussi au ministre Bachir. Mais ils veulent tout emballer, mais dedans est pourri. Mais quand tu vois l'enveloppe, c'est beau à voir, mais quand tu l'ouvres, c'est de la pourriture, tu vois. Le ministre vient de nous parler et nous lire. Il est beau de parler ainsi. Il est là au pouvoir, ça fait 30 ans, avec le président. Qu'est-ce que lui a proposé depuis? Il est là, il dit, depuis que le pétrole est en train d'être exploité, ils n'ont même pas pensé à ces choses. Ils pensent à leur réalisation. Et c'est aujourd'hui qu'ils nous parlent que voilà, le pays tient de ceci, cela. Non, il faut réduire l'indice de corruption, de proposition des lois à l'initiative de l'opposition, nombre de recours administratifs, nombre de poursuites engagées pour donner suite à des contrôles de gestion de fonds publics, ceux qui ont détourné, volé. Combien de ces gens-là qui sont poursuivis? Ce sont là les indicateurs que un investisseur regarde d'abord avant d'aller dans un pays pour pouvoir investir. Ça, c'est des choses que un investisseur, moi, je vous parle, je suis allé voir un investisseur de transformation de port. Eh bien, le gars, il a regardé les indicateurs et tout ça. Il dit non, le climat d'affaires au Tchad n'est pas favorable parce qu'il ne peut pas aller investir et après, son argent puisse tomber dans l'eau. Ce n'est pas possible. Non, mais exactement. Même dans les pays développés comme le Canada, quand tu vas sur leur site, c'est formellement interdit d'aller au Tchad. Si tu pars, c'est à tes risques et périls. Donc, tout est au rouge, effectivement. Et c'est pourquoi on aimerait proposer donc une porte de sortie honorable. Est-ce que tu as, rapidement, en 3 minutes, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que tu viens d'entendre le lieutenant, tu as entendu aussi Bachir. Tous les éléments, tous les ingrédients sont réunis pour qu'Idriss Déby puisse quitter le pouvoir pacifiquement. Et c'est une chance que les Tchadiens peuvent lui accorder. Alors, rapidement, 3 minutes, qu'est-ce que tu as dit par rapport à la porte de sortie? Oui, par rapport à la porte de sortie, pour éviter une situation désastreuse à l'avenir, nous proposons une porte de sortie honorable du président pour dialogue social. Un contrat social généra à une table de négociation. Ça, c'est quelque chose de réfléchi et nous sommes dans une non-violence.
Et ce dialogue à réunir hein, tous ces corps, que ce soit les politico-militaires, ceux qui sont énervés, qui ont pris les armes, ils vont rentrer au Tchad. Que ce soit l'opposition démocratique, ils vont rentrer. Que ce soit la société civile et autres, la diaspora et toutes ces personnes vont être ensemble pour pouvoir discuter de l'avenir hein, de cette nation. Mm-hmm. Parce que nous sommes un pays à laquelle on a besoin de voler à l'ère de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, l'heure est déjà à l'action. Nous devons aller à l'action. Nous devons réagir. Nous devons intervenir. Nous devons former nos cadres de façon judicieuse afin qu'ils comprennent les enjeux que nous faisons face à l'heure actuelle. Donc, ce que nous interpellons au gouvernement à l'heure actuelle, qu'il sache que nous sommes sur une position de non-violence et que nous aimerions qu'il y ait une table de négociation afin d'éviter hein, l'effusion de sang parce que les gens nous ont fait un état de lieu, genre l'état de tuyaux. Mais si nous nous avions, pardon, discutons entre frères, bien. Je pense qu'on trouvera une solution afin que cette sorte ait lieu et que les tissus hein, sociaux qui sont déchirés entre les Tchadiens oui. puissent être réduits et que les Tchadiens de tous bords puissent se comprendre et aller de l'avant. Oui, absolument. On va revenir le dimanche prochain sur cela. Donc, merci beaucoup à Arnie, qui, je rappelle, qui était un politologue. Il est responsable des questions politiques et socio-économiques dans notre organisation. Merci beaucoup pour l'excellent travail que tu fais et on va t'écouter le dimanche prochain. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc on est arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un peu plus long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais profiter aussi de cette occasion pour rapidement annoncé, j'ai reçu le message des transformateurs du Canada, des États-Unis surtout. Donc, ils appellent les gens à une manifestation donc, le vendredi 21 juin devant l'ONU. Je vais regarder l'adresse exactement. Je pense que c'est Première Avenue. Alors, rendez-vous donc le... Je vais regarder ça. Oui, donc rendez-vous le vendredi et ils invitent les gens à sortir massivement pour aller dénoncer parce que ce qui s'est passé le 1er juin, Masra a été visé. C'était un attentat. Nous, on l'a clairement dit, on n'a pas mâché le mot. C'était un attentat, tentative de meurtre, c'est ce qu'on avait dit. Certaines personnes n'ont pas aimé et maintenant les médias commencent à parler le même langage que nous. C'est une tentative de meurtre. Et heureusement qu'il n'a pas été, il n'a pas été tué. Et encore heureusement que lacrymogène n'a pas touché ses yeux. Moi, j'avais dit ce jour-là, si il avait reçu dans les yeux, c'était fini pour lui. On entendrait parler de Masra, de Dr. Succès Masra, comme un non-voyant ou un aveugle. Et c'est tellement grave. C'est tellement grave ce qui s'est passé là. Alors, les transformateurs et les transformatrices ont décidé d'organiser une manifestation donc le vendredi prochain, le vendredi 21 juin, donc aux États-Unis. Je vais être là. Je serai aussi là. Donc, c'est l'occasion pour rencontrer aussi les Tchadiens de la diaspora qui sont à New Jersey, à New York, à Washington, c'est pas tellement loin. Tout le monde, même ceux qui sont ici au Canada, peuvent aussi aller. L'invitation est lancée pour tout le monde. Donc, on espère vous voir donc, le vendredi à New York. Je l'ai dit, je vais être là. Je serai là. Et notre radio va couvrir cet événement aussi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et on est en train de mettre sur pied des choses, réorganiser
aussi notre organisation. Alors, restez connectés. Vous qui n'êtes pas encore connectés ou bien cliquez sur « J'aime » sur notre page, c'est l'occasion de le faire parce qu'il se peut que vous oubliez. Si on fait quelque chose, vous allez être automatiquement, l'algorithme de Facebook va vous automatiquement envoyer des messages pour que vous soyez au courant de tout ce qu'on fait. Donc, en quelques secondes, en 2-3 secondes, cliquez sur « J'aime » ou « Suivre ». Et vous allez être connectés. On espère que vous allez faire cela. Et merci beaucoup de vos commentaires. Et je remercie aussi à toute l'équipe pour la réussite de l'émission dimanche après dimanche. Les gens travaillent et on apprécie aussi, on remercie aussi beaucoup de gens qui nous envoient des messages, des informations. Des fois, c'est des vidéos. Des fois, c'est des documents. C'est très apprécié et je dis que c'est grâce à vous qu'on arrive à connaître certaines informations et faire des émissions. Donc, merci beaucoup. Et vous avez des invités que vous souhaitez les entendre aussi. Vous pouvez aussi nous suggérer les noms avec leur numéro de téléphone, bien sûr. On va les contacter et on va les interroger aussi. Donc, c'est votre radio, c'est notre radio, c'est radio de tout le monde. Et merci encore une fois infiniment à notre coordinatrice qui a continué toujours de faire les recommandations. Et je l'ai dit, nous sommes en ce moment, à moins que vous m'apportez des preuves contraires, nous sommes le seul média dans ce monde qui émet des recommandations, qui propose des solutions. Après avoir critiqué, après avoir dénoncé, on ne s'arrête pas aux dénonciations comme les autres le font. On ne s'arrête pas seulement à critiquer. On propose des solutions. Voilà notre distinction. Et je l'ai dit apparemment, à moins que quelqu'un me dise le contraire, j'aimerais le savoir si effectivement ça existe. Un autre média qui fait ce qu'on fait maintenant, je n'ai jamais vu. Et... c'est ça notre singularité et on se base, je vous l'ai dit, sur des faits. Il y a beaucoup de choses que les gens nous envoient, mais on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas en parler parce qu'il manque des preuves. On se base sur des faits, sur des choses factuelles, sur des informations vérifiées. Donc, si vous en avez des informations vérifiées, des choses factuelles, n'hésitez pas de nous les envoyer. Beaucoup de gens sont aussi frustrés parce que ils nous donnent des informations, on n'en parle pas. Oui, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas des preuves. Nous ne sommes pas là pour dire des choses parce qu'il faut le dire. Non. Si on a des preuves, c'est ça aussi notre principe. Si on a des preuves, on va en parler. Si on n'a pas de preuves, on ne va pas en parler. Donc, vous êtes énervé, je vous comprends. Malheureusement, on ne va pas le faire. Si vous nous donnez des choses sans fondement, sans preuve, on ne va pas le faire. Et aidez-nous à informer les Tchadiens, pas seulement les Tchadiens, parce qu'il y a beaucoup d'autres nationalités qui nous suivent aussi. Donc, aidez-nous avec des informations factuelles, des choses vérifiables, des choses qui ont des preuves. Alors, on compte sur vous. C'est avec cette collaboration qu'on pourra faire changer les choses, qu'on pourra aller plus loin. Et beaucoup de gens pensent aussi que nous sommes une radio d'opposition. Nous ne sommes pas une radio de l'opposition. Ah, je vais le répéter encore. Nous ne sommes pas une radio de l'opposition. On critique, oui, le gouvernement. On critique la société civile, des individus qui font des choses anormales. Donc, nous ne sommes pas une radio de l'opposition. Alors, comprenez cela. Et pour ceux qui... pense qu'on est une radio de l'opposition, c'est ça. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et on a encore beaucoup de choses à apporter. On est encore dans les débuts, dans les restructurations. On est en train de restructurer notre organisation. Il y a beaucoup de projets. Et on compte sur votre collaboration pour réaliser toutes ces choses-là. On vous l'a dit. Oui, la radio n'est qu'un petit bout de l'iceberg, mais on a des gros lots de choses qu'on est en train de développer graduellement. Donc, avec le temps, ça va venir. Alors, merci beaucoup. Portez-vous bien. J'ai couru aujourd'hui le 21 km, donc le demi-marathon. C'est mon premier de toute la vie. C'est la première fois que j'ai couru le demi-marathon. C'était un peu difficile
parce que quand je m'entraînais, j'avais des rythmes que je maintenais. Mais aujourd'hui, il y avait des milliers de gens. L'énergie était là. Et je suis allé très vite, trop vite au début. Normalement, je courais 5 minutes au kilomètre. Et sans me rendre compte, je suis allé jusqu'à 4 minutes au kilomètre. C'est le record de beaucoup de gens, des professionnels en général. Ils sont autour de 4 minutes par kilomètre. Sans me rendre compte, je faisais cela. Au bout de 5 kilomètres, je sentais déjà essoufflé, fatigué. Et quand j'ai regardé la montre, je me suis dit « Oh my God !» Alors, ça m'a ralenti vers la fin. Donc, j'étais pas le temps que je voulais faire, je n'ai pas pu le faire. Mais j'ai fini la course, je n'ai pas marché, je ne me suis pas arrêté, je suis allé jusqu'au bout. Et pendant que je faisais cela, je souffrais. C'était dur. Et j'ai pensé à la situation des femmes tchadiennes, surtout les femmes tchadiennes, qui travaillent tous les jours. Il y a des femmes qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, de l'eau de pluie. Et c'est un travail en plein temps, quotidien. Je me suis dit, waouh, bravo à ces femmes-là. Bravo à ces femmes-là. Parce que si j'ai souffert pendant un bout de temps aujourd'hui pour finir ma course, c'est rien du tout comparé à ce que les femmes subissent au Tchad ou d'autres, les hommes subissent au Tchad. Je voulais faire l'expérience et je l'ai vécu. J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Mais c'est rien du tout par rapport à la souffrance des Tchadiens. Donc, voilà, je vais vous donner plus de détails, peut-être des images une autre fois. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Tchad. Et on se verra à New York le vendredi. Je vous attends là-bas et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.